Vous allez bien? On est encore de la maison. On est encore de la maison. Il manquait de l'électricité à la station. L'électricité est revenue. C'est trop tard. On reste sécuritaire, Gonzo et moi. Comment ça va, Big? Ça va bien. J'ai sorti mon seau du Père Noël ce matin. Je vais aller distribuer les cadeaux. De toute façon, salutations à tous ceux pour qui ils sont à la maison aujourd'hui parce que c'est jour de congé, hein, parce qu'on a fermé beaucoup d'écoles en raison de cette tempête. Maintenant, il tombe 5 cm puis les écoles sont fermées de toute façon. Alors, salutations aux parents qui sont à la maison. On est avec vous jusqu'à 15 heures. Comment ça va, Ben? Oh, ce fut périlleux, messieurs. J'ai chevauché mon fat bike. No way! Oui, monsieur, je suis... Je me suis amené à la station, mais sur Laurier, là, tout le long... À partir de Delorimier, Papineau, aïe aïe, c'était quelque chose, je zigzaguais entre les voitures. Et Ben, puis, c'était... D'une donc, Ben, sur Laurier, parce que hier, à cause des égouts, comme tu sais, tout est bloqué. Écoute, il y a des rues qu'il faut que tu fermes, puis avec la neige qui tombe, ça doit pas être beau avec toutes les rues bloquées en plus. Non, c'est vraiment pas beau ici, là. C'est le chaos total en face de la station, là. Ça circule à contresens, ça passe pas, ça s'est rentré dedans, c'est épouvantable. Imaginez si on n'a pas tout rebouché les trous, là. Non, c'est ça, là. C'est pas colmaté, c'est ça l'affaire. Alors moi, c'était toute une aventure. Toute une aventure m'amenait à la station. Ben, en tout cas, Ben. Bravo, Ben. Ben, bravo. Ben est en forme, that's it. Ben, tranquillement. Hey, les gars, pour demain, 2 heures, comment vont vos raps? J'ai répété encore 5-6 fois ce matin, moi. Gonzo, comment ça va? Moi, j'ai commencé l'écriture hier. Je suis pas mal avancé, je vous dirais. Là. J'ai quelques petits fignolages là, à faire, puis je ferai l'enregistrement ce soir. Nice. Okay, vous êtes dans la boîte? Moi, c'est fait. Enregistré tout ça. Une minute. Ben, t'as fait... J'avais fait 30 secondes, mais Ben, quand tu m'as dit 53, il fallait que je fasse une minute. Ah, finalement, c'est 56. Non, mais, OK, donc je vais faire dans ce coin-là, moi aussi, d'abord, les gars. OK. Mais vous allez être enregistré. Moi, je étant donné que je me suis amené à la station en fat bike, ce fut périlleux. J'aime ça, j'aime le risque cette semaine. Je vais interpréter live. Ouais, puis manquez pas aussi. Ça se peut que je te suive, Ben. OK. Puis oubliez pas, il y a un petit 5 minutes de méditation pour tout le monde demain en même temps à 2 heures. Attends mais demain, c'est pas le bol avec la poutine. Ça, c'est pour une autre fois. Non, c'est pour une autre fois. Okay. C'est pour une autre fois. Le bol avec la poutine, non, c'est pas demain, Gonzo. Je voulais savoir si on amenait un lunch ou pas. Là, demain, avec toute la neige, tout le stress de la semaine, on pense à l'armée, une petite méditation de 5 minutes pour que votre semaine soit, fin de semaine soit saine et zen. Oui, les gens vont en avoir besoin solide, les gars. On s'entend, là. Ils annoncent quoi? Au total, c'est quoi? Ça va être une trentaine, là, de ce que je comprends? Oui, à peu près. Puis si je peux faire une petite suggestion aujourd'hui, pour les gens qui sont contents d'avoir changé leur pneu d'hiver pour leur pneu d'été, pourquoi vous prenez la route? Il y a plein de gens qui sont dans le clos avec des pneus d'été parce qu'ils sont empressés de le faire. C'est super glacé dehors, c'est glissant, il y a une tempête. Qu'est-ce que vous faites dans les rues avec des pneus d'été? Pour vrai, restez à la maison, puis appelez votre boss, faites quelque chose, mais être dans le clos, ça vous arrange pas plus, là. Gonzo, tu devrais voir comment j'en ai vu. J'ai été faire les commissions, là, sur le bord de la 30, là. Puis ça n'a pas de sens quand il y avait des chars dans le clos. Il y a des gens qui n'ont pas le choix quand on regarde les routes. Oui, mais tu as des pneus d'été. C'est glacé, il y a une tempête. Ouais, mais tu sais, quand les premiers rayons de soleil arrivent, puis là, on s'entend, c'était plus que des rayons de soleil. Là, j'ai porté des shorts déjà une fois. Je pense que c'est la première fois que je suis en short puis que je pèle 3-4 jours plus tard. Le monde a hâte. J'ai enlevé mes piquets de neige, moi aussi. On était rendu en mode printemps. Puis là, ça débarque. Je veux dire, on pensait que c'était un poisson d'avril. Ça n'en est pas un. La bonne nouvelle, vous le savez, de toute façon, là, c'est qu'il annonce à peu près quoi? 10, 12, 15. Fait que ça va fondre, là. Fait que, tu sais, c'est juste un petit moment. Il va neiger encore demain, puis ça fond en fin de semaine. Non, c'est fini aujourd'hui. C'est fini aujourd'hui. C'est juste aujourd'hui qu'il neige encore? Ça cesse ce soir. OK. Ben oui. Là, après, regarde, c'est... Là, Ben, avant qu'on aille plus loin dans quoi que ce soit, Lara Gonzalez, c'est pas juste un show pour vous faire rire, c'est aussi un show d'émotion. Puis en parlant d'émotion, tu vas en amener toute une émotion pour nous aujourd'hui, pour notre ami. Oui, c'est en ligne depuis ce matin, l'univers singulier de Benoît Roger, épisode 5 avec Stéphane Brochu. Merci Georges, c'est toi qui m'as aiguillé sur le fait que Stéphane se battait farouchement en ce moment contre un cancer virulent, le stade 4. Puis Ben, juste pour dire aux gens, Stéphane Brochu, c'est qui? Ouais, Les gens qui ont déjà été dans la loge des anciens du Canadien de Montréal, c'est toujours le gars souriant qui est toujours là, qui vous donne des hot dogs, des roteux, qui vous donne la boisson. Il est tout, ça fait des années qu'il est là, il est super drôle, il est hot. Ouais. Je le vois tout le temps quand je vais là-bas.
puis il est atteint d'un cancer qui se bat en ce moment, puis c'est de lui qu'on parle. Fait que tous les gens qui l'ont déjà vu envoyer des ondes positives, c'est un battant le gars, on est tous derrière lui. Fait que c'est de ça que vous devez écouter l'univers singulier de Ben Roger, parce que Ben, tu vas nous expliquer un peu ce que tu as fait avec. Ouais, ben en fait, je l'invite à nous parler de comment il vit ça, lui, le salon des anciens, les rencontres qu'il a fait là, puis tout ça. Puis à un moment donné, ben là, on bifurque sur le combat qu'il livre actuellement. C'est vraiment quelque chose de très inspirant au final quand on l'écoute. J'ai un extrait d'une minute et demie, les gars, pour vous inviter éventuellement dans les prochains jours à faire l'écoute de cet épisode. Je pense que vous allez. C'est sûr que c'est un moment émouvant, mais on écoute ça? Ben oui. Yes. C'est parti. Allons-y. Steph, quand on s'est parlé avant d'enregistrer le podcast, je t'ai dit, sois à l'aise. Est-ce que je peux te poser toutes les questions que j'ai en tête? Tu m'as dit, il n'y a pas de problème, Ben, vas-y. Mais tu sais, celle-là, je vais te la poser, puis si t'es pas à l'aise, on peut passer par-dessus. C'est pas plus grave que ça. C'est une question bien simple, dans le fond. As-tu peur? Un petit peu d'émotion. C'est normal. J'ai pas peur de mourir. J'ai peur de ne plus voir les miens. C'est ce qui me fait peur. J'ai 54 ans. Je me trouve beaucoup trop jeune pour partir, c'est bien évident. J'ai encore beaucoup de choses que je voudrais faire. La bonne nouvelle, c'est que j'ai encore du temps. J'ai encore du temps pour faire des choses. C'est pas fini. Comme j'ai dit, je vais me battre. C'est sûr que si tu regardes à long terme les odds, étant donné qu'ils sont pas pour moi, oui, ça peut être épeurant, mais il faut regarder ça d'un autre côté. Même si les chances sont pas de notre bord, on va faire ce qu'il faut pour que ça vire de bord. C'est ça le but dans cette histoire-là. Puis je vais me battre bec et ongles tant et aussi longtemps que je vais avoir l'énergie pour ça. Mais j'ai pas peur de mourir. Tabarouette. Touchant. Ouais, hein? Ben, c'est vraiment touchant. Ouais, c'est quelque chose. Je vous invite à écouter l'épisode, là. C'est en ligne sur toutes les plateformes de la Commission athlétique. Comment les gens peuvent aller là-dedans, Ben, pour entendre ça? Même moi, je vais écouter ça. La Commission athlétique, c'est notre page Facebook sur notre plateforme YouTube. Vous avez moi, je vous invite à le regarder, cet épisode-là, parce que vous pouvez l'écouter avec Spotify, Apple et les autres plateformes de podcast. Mais avec YouTube, on a le visage de Stéphane, puis il y a vraiment beaucoup d'émotions. Mais en même temps, c'est pas seulement larmoyant, je vous le dis. Il y a un beau message d'espoir là-dedans. Puis au début, ben c'est son expérience au Salon des Anciens. C'est vraiment trippant. Alors, c'est en ligne en ce moment. 54 ans, les gars. 54 ans. Tu sais, je pense que, comme tu dis, il y a l'histoire de Stéphane là-dedans. Il y a ce qu'il nous livre comme message, l'espoir aussi. Mais je pense que n'importe qui vient d'être à l'écoute présentement va faire un lien avec ce qu'il a vécu, soit avec un ami, soit dans la famille, soit autre. Ça peut nous faire juste réaliser des fois, tu sais, des petits moments, Ben, qui font réaliser aussi sur la fragilité de la vie. Des fois, on la prend pour acquise. Absolument. On prend pour acquis la vie. Puis là, moi, en tout cas, c'est la première chose qui m'a fait. D'un, Stéphane, c'est quelqu'un que j'ai croisé à quelques reprises aussi, de voir à l'âge qu'il a, puis de penser un peu, tu sais, c'est touchant. Regarde, tu sais, c'est tellement bien formulé de sa part aussi. C'est t'sais. Ça. Savez-vous ce qui est fou? C'est pas la peur de la mort, c'est la peur de plus voir, de plus profiter des siens. Ça, je veux dire, n'importe qui peut faire le même exercice chacun chez soi, là, présentement. Ce qui est fou, là, c'est que ce gars-là, les boys, il prend un soin jaloux de sa santé. Fait beaucoup d'exercices, s'alimente bien, il a jamais pris de drogue, jamais surconsommé d'alcool et tout ça. Tu sais, à un moment donné, dans le podcast, je lui en parle, je dis, moi, ça m'arriverait, moi, j'ai un peu couru après le trouble. Tu sais, mes 10 années de déboire, j'ai trop bu, j'ai trop consommé, j'ai trop fait plein de cochonneries qui font que je t'en surplus de poids maintenant. Puis je me disais, bon, j'ai peut-être un peu couru après, mais lui, il a une vie exemplaire. Fait que on le sait jamais. Fait qu'à un moment donné, ce qu'il dit, c'est, ça vaut rond chaque jour qui passe. Ouais. On le sait pas. Yeah. Belle touche, Ben, belle touche. Ouais, merci, Ben, pour ce beau partage. Il y a des choses dans la vie, des fois, vous savez, mesdames et messieurs, qui est beaucoup plus important que le sport. Tu sais, le sport, c'est pour nous divertir. Le show, ce qu'on fait, c'est pour divertir. Mais il y a des vrais combats dans la vie, des fois, que c'est important de partager, parce que il y a des gens, pendant qu'on parle en ce moment, qui se battent pour leur vie. Et, tu sais, juste ce que tu as fait, Ben, le témoignage que lui va avoir fait aujourd'hui, ça va inspirer plusieurs personnes
à continuer à se battre, puis à comprendre aussi. Tu sais, des fois, on chiale sur beaucoup de choses. On chiale notre équipe de hockey perdue, on chiale les nids de poules, on chiale la température d'aujourd'hui. Ouais. Quand on entend Stéphane parler, ça ramène les perspectives à la bonne place. Voilà. Qu'on arrête de chialer, qu'on profite de la vie au max, puis vraiment, je veux dire que le plus important, c'est les gens autour de nous, la famille, nos amis, puis tout ça, parce qu'on sait jamais notre temps, que ça va être quand, puis il faut en profiter au maximum. Voilà. La neige est belle, les gars, la vie est belle. Ben oui, la vie est belle. Ben oui, certain. Profitons-en, on s'amuse. C'est ça un peu, hein? Oui. Ah là là. Grosse émission pour vous aujourd'hui. On va bien sûr, c'est jour de match pour le Canadien de Montréal. Je suis curieux de voir les gars ce soir avec la tempête et tout le reste et le fait que le Canadien de Montréal en est à ses derniers milles. On risque de voir pas mal de bancs vides, à mon avis, au Centre Bell. Hein? Je comprends que c'est le Lightning de Tampa Bay, mais en tout cas, on regardera ça ce soir pour voir les sièges vides. Le Lightning qui est dans la même position aussi que les Panthers plus tôt cette semaine, jouait hier à Toronto. D'ailleurs, Georges, j'ai pas pu me loguer pendant parce que je vous attendais là, sur le Zoom. Est-ce que tu as pu au moins un peu narguer Max sur le fait qu'on est en avant par un? Non, Gonzo, pendant que j'étais sur Comrex, j'arrêtais pas de dire « je suis là, je suis là, je suis là ». Puis non! Lui, ben oui, lui, au lieu de nous, vu qu'il a perdu le match hier, il a pris Toronto, au lieu de vraiment nous faire face, il a bien trop décidé, Gonzo, de pas nous prendre, mais j'étais là toute la... J'attendais moins quart... moi aussi, je l'ai texté. Depuis moins quart, j'étais là. Fait que là, Max, il prend pour une équipe de Toronto. Mais t'as-tu vu, Gonzo, quand même, hier, vous avez essayé de m'avoir avec les Oilers, je te l'ai dit que les Stars allaient gagner hier. Ouais, j'avais les Stars, moi aussi. Gonzo, écoute bien là, ce que je te dis là, puis je suis fou de dire ça, puis je suis un fan des Oilers, puis je suis vraiment sérieux. Si les Oilers veulent espérer avoir une chance de gagner, il faut qu'ils arrêtent de surtaxer McDavid comme ça. McDavid, en ce moment, joue pour le Hart Ross. En ce moment-là, les Vancouver vont finir premier de la division. Ouais. Vont finir premier de la division. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ben, c'est, non, mais si les Oilers gagnent leurs deux matchs en main, par exemple, ils sont quand même relativement proches encore, ce sera à 3 points, là, mais il reste peu de matchs. Exact. Non, mais c'est pour ça, Gonzo, qu'il faut vraiment que les Oilers se réveillent et qu'ils commencent à reposer leurs joueurs étoiles parce que, tu sais, je sais, Gonzo... Mais j'ai une petite question pour toi, par exemple. Vas-y. Hier, t'as... pu apprécier les Stars de Dallas, puis vous m'avez beaucoup nargué parce que je disais que, bon, tu sais, mon choix pour la Coupe, c'était les Stars dans l'Ouest. Jake Oettinger, il est quoi? Il est 6-0 à ses 6 derniers départs. Puis hier, on a vu un peu la puissance hein, des Stars de Dallas. Ils sont rendus à quoi? Ils sont rendus à 7 marqueurs d'au moins 20 buts. 7 joueurs des Stars ont au moins 20 buts, quand on parle de profondeur. OK. C'est quoi ta question? Ben, Colin, je veux dire, ta question. La question, c'est facile. Est-ce que tu réalises le choix des Stars et la puissance des Stars? Gonzo, on a battu les Stars le dernier match. Ils nous ont battus. Attends, on en parlera. Tu vas voir. Le dernier match, on les a battus. Là, ils nous ont battus. On n'allait pas les battre à tous les matchs. C'est correct. Fait que je suis pas inquiet du tout, Gonzo. Les Oilers vont pas gagner tous les matchs. Mais je te dis, en ce moment, ce qui m'inquiète le plus, c'est comment McDavid y joue. Il joue trop. Tu sais, dans une cause perdante que tu surtaxes comme ça pour qu'il aille chercher son point, il a dit lui-même que le Hart Ross n'était pas important. Repose-toi dans les séries, on va avoir besoin de toi. Il joue trop. OK, ça c'est un point. Par contre, même si McDavid se remet à jouer et qu'il obtient 3-4 points par match, défensivement, hier encore, Bouchard pas joli, Nurse pas joli. Défensivement, je trouve que si vous pognez un club qui est trop fort, c'est le jeu défensif puis devant le filet, moi, ça m'inspire pas pour les Oilers. Désolé. Gonzo, on était 25 points derrière une place en série. La défensive s'était resserrée. Ça arrive des fois. C'est vrai que la défensive s'est resserrée. Hier, Gonzo, c'était pas un gros match. Là. À un moment donné, les Oilers avaient les meilleurs stats dans la ligue dans tous les points de vue, en avantage, en désavantage, 5 contre 5, puis tout ça. Fait Gonzo, hier, c'est une erreur de parcours. Ça n'a pas bien été. Ça va arriver des accrochages de temps en temps. Les Oilers vont revenir à ce qu'ils savent, Gonzo, comment ils jouent. Il faut qu'ils jouent plus serré défensivement, puis c'est correct. Hier, ça n'a pas été le cas, puis je ne suis pas énervé. Tout est correct. Non, c'est un match, c'est vrai. Mais je suis curieux de voir des équipes, mettons, en fin de saison. Puis là, je ne dis pas que les Oilers l'échappent. Là. Ils ont quand même 5 victoires leurs 10 derniers matchs. Mais, tu sais, mettons, il y a beaucoup de grogne un peu en Floride aussi pour les Panthers. Comment ces équipes-là, s'ils terminent mal la saison, comment ils vont rentrer?
c'est dans le portrait éliminatoire. On parle, on va en parler peut-être un peu plus tard, mais les Flyers qui ont perdu 5 matchs sont encore là. Les Capitals qui ont perdu 3 matchs sont encore là. Là, finalement, les Islanders, les Penguins qui se réinvitent parce qu'ils gagnent. Il y a beaucoup d'équipes qu'on dirait qui, je sais pas, c'est pas... c'est même les Prédateurs perdent là, maintenant. Oui. Ben, Gonzo, inquiète-toi pas. Je sais, Gonzo, que tu commences à être un fan des Oilers avec ton cœur. Ben non. Gonzo, la vraie... Gonzo, la vraie raison, là, c'est pas ça. Là. Toi, là... C'est que McDavid n'est pas fait de points hier. C'est ça qui t'écœure le plus. C'est sûr, ça m'écœure. Dis la vérité. Ça m'écœure plus, oui, compte tenu du fait que ton petit Kucherov, lui, s'est amusé hier. C'est pas ça, mon petit... Ça m'écœure. C'est pas mon petit Kucherov, Gonzo. Ben, c'est qui? Gonzo, c'est Kucherov tout court qui, on l'aime pas, mais c'est tout un joueur de hockey. Non, mais c'est lui que t'as pris. T'as quand même pris Kucherov. Il y a un match en même, c'est quoi? C'est 5 points de différence maintenant, là? Ouais, 4 points. Ouais, un match en main, 4 points d'avance. Oh. Non, mais Gonzo, je te dis, Tampa est dans une place qu'il faut qu'il gagne. Tampa n'a pas le choix. Mais ce soir, le Canadien de Montréal contre... Ce soir, on a besoin de Caden Primo et on a besoin du Canadien de Montréal. Du moins, je parle pour moi. Ce soir, j'ai besoin du Canadien de Montréal. J'ai besoin que le Canadien soit capable de limiter Nikita Kucherov. Faut absolument. C'est rare que je demande l'aide du Canadien. Ce soir, j'ai besoin de l'aide du Canadien. Gonzo, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas important. Comment c'est pas important? C'est pas important, Gonzo. Ça me tente pas de t'acheter un chandail. Gonzo, tu m'en as acheté plein cette année. Un de plus, que ça fait? Pas plein, là. Gonzo, tu veux que je commence à t'es énumérer? Non, il faudrait que ce soit toi qui commence à m'en acheter, là. Non, Gonzo. Et ça pourrait être un bon chandail. Gonzo, ça change. Gonzo, c'est une habitude que tu commences à avoir cette année. Depuis que tu as gagné la loterie, non, ta tante t'a hérité d'un héritage de ta tante. Ouais, t'es plus généreux que jamais. Continue sur cette lancée-là. Ça te va bien. Non, celle-là, j'ai pas envie de te le donner. Pourquoi? Je pensais qu'on était tant. J'ai pas envie du tout. Non. Le plan dans tout ça, là, ce serait que je gagne avec McDavid et que je gagne le pari avec toi puis Max puis que je me refasse deux chandails. Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté un. Mais Bic, tu gagnes, tu vas gagner avec Olivier des Blues. Ouais, mais là, il faut qu'on paye Frank Etier. Quand même. C'est rendu compliqué quand même, là, les paris. Mais ça, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut confirmer une chose, par exemple, hier. Pierre-Luc Dubois écoute Lara Gonzalez. Il a produit. Il n'a pas aimé la question de cette semaine et Pierre-Luc Dubois est allé de 3 petites passes hier dans une importante victoire des Kings de Los Angeles. Pour vrai, cette victoire-là, oui, Dubois a 3 passes, mais ça va faire du bien aussi aux Kings parce que les Blues commençaient à se faire menaçants en arrière. Là. Il n'a pas aimé le vote, Gonzo. Le vote qui a perdu 4-3 contre Huberdeau, il n'a pas aimé ça, fait qu'il s'est levé. Là, t'es-tu confiant? Là? Les Kings, 89 points. Les Blues, 84. Il y a 5 points d'écart. Les deux équipes ont joué le même nombre de matchs. Oui, mais Gonzo, je te l'ai dit. Olivier des Blues va perdre le pari. Il va perdre le pari et il nous a tellement taquiné avec ça que le genre de le taquiner après qu'on gagne. Mais tu te donnes une bonne nouvelle aussi? Vas-y. Les Kings de Los Angeles ont le calendrier le plus facile d'ici à la fin de la saison. Oh! OK, ben voilà. La mauvaise nouvelle, c'est que les Blues ont le troisième plus facile. Mais Gonzo, check. Ouais, mais Gonzo, ils ont 5 points derrière. Tu sais, il reste combien de matchs? 8 matchs pour les deux, c'est ça? 7. 7 pour les deux. Bon, Gonzo, ça veut dire que les Blues, il faut qu'il y ait 3 victoires de plus que les Kings. Exact. Mais Gonzo, pense à ça 2 secondes. Les Kings, s'ils gagnent 4 victoires sur 7, dans le plus facile, il faut qu'ils gagnent toutes les Blues. Fait que c'est fini. C'est comme je vais te nommer les gangs des Kings, OK? Vas-y. Canucks? Défaite. Sharks? Victoire. Chicago. Victoire. Les Ducks 2 fois. OK, split. Victoire 1 fois. Flames. On va dire défaite. Ah, puis Wild. OK, supposons que je dis défaite, je dis 3, OK? Admettons, ça fait 3 ça, là, c'est 3, c'est réserviste. Il faut qu'il en gagne 4, l'autre. 3, je veux dire 3 de plus. Fait qu'il faut qu'il en gagne 6 sur 7. 6 sur 7, ouais. Ça, c'est s'il en gagne 3. S'il en gagne 4, il faut qu'il gagne toutes. Fait que ça va pas arriver. Ça arrivera pas. Pas qu'il y ait de points en prolongation, par exemple. Mais Gonzo, ça va pas arriver. On a gagné. Olivier des Blues, c'est fait. Non! Hey, dis pas on a gagné, tu vas jinxer ça, mon gars. Depuis cette année, là, que tu donnes des prix avant, ça se revient. Là, ça se revient pour toi, au moins. Là, mais... Ouais, exact.
Implique-moi pas là-dedans, par exemple. Implique-moi pas là-dedans. Okay. David Edegui va être avec nous à compter 13h20. Également, Tony va être là à 12h45, comme à chaque jour. Il y a un quiz également à 14h. Est-ce qu'on a le thème du quiz de la firme Reich et Maguire? D'ici 10 minutes, le quiz va être complété. Je vais le recevoir, puis après ça, je te le dirai. Puis je vais te l'envoyer. Aussitôt que je le reçois. C'est pas encore 100% complété, mais aussitôt que j'allais, Gonzo, je te tiens au courant. Il est encore au four. Exactement. Il est encore au four. J'ai le scoop. C'est un quiz comme thématique ayant le Art Ross comme thématique. Oh, ça c'est bon, j'aime ça. Ça c'est hot. Ah oh, ouais, ok. Alors des gagnants du Art Ross, ou du moins là, des luttes pour le Art Ross. La firme Maguire Reich travaille là-dessus. On aime ça, on aime ça. Et Ben, pour toi, le Art Ross. Le Art Ross est remis au meilleur pointeur de la Ligue nationale de hockey. Merci, Steph, de toujours me le rappeler, ça. Puis, je le fais maintenant pour tous nos auditeurs également. Oui, c'est gentil. Puis pour les gens à la maison qui ont besoin de quiz, ne soyez pas gênés, contactez la firme Reich Maguire. Ça va leur faire plaisir dans leur temps libre de vous faire des quiz. Pour un montant, je pense qu'ils sont à 500 de l'heure. De l'heure? Oui, de l'heure. S'ils mettent 2 heures, c'est 1000. Pas payé comme tarif, hein? On travaille pas gratis personne, là. Ça, non. Mais également, si vous avez besoin, je veux dire, ils font des mariages, ils font tout, là. C'est très, très varié. 500 dollars, c'est ça. Incroyable. les gars, avant d'aller en pause, peut-être un petit mot, vu qu'on va rendre hommage à la neige d'aujourd'hui et de la balle. Qu'est-ce qui se passe avec les Jays avant d'aller en pause, là? L'équipe du Canada, l'équipe à Ben Roger. J'ai écouté ça hier, les Jays. C'est désolant, Ben. Hey, j'ai vu passer la stat hier, je ne me rappelle pas si c'est Sportsnet ou un autre qui disait c'est la première fois de l'histoire qu'une équipe donne un match sans point ni coup sûr et également un match d'un seul coup sûr dans la première semaine de la saison. C'est la première fois. Ouais. Non, c'était pas beau hier. Ouais, on parle d'une année qui commence sour, là. Caline. Ah, c'est ordinaire. Non, écoute, 19-2 le score combiné pour les Astros dans cette série. C'est quoi la fiche des Blue Jays, là, maintenant? Zéro quoi? Non, ils sont pas zéro. Les games, Ben, si t'as écouté ça, c'est-tu pas mal plus rapide qu'avant ou c'est toujours slow? Ouais, c'est plus rapide. C'est très rapide, Georges. Ouais. C'est juste que là, hier, les Jays, il se passait rien là. Tu sais, les gars, je regardais les moyennes des frappeurs des Jays, là, ça tourne autour de 100-125. Il y en a un ou deux au-dessus de 200 seulement. C'est vraiment pas beau, là. Non, c'est pas joli. Puis en fait, Justin Turner encore, là, qui est à 3-18, c'est le seul qui frappe un petit peu. Mais sinon, tu sais, Vlad 208, Dalton Varsho encore 143, George Springer 120, Bo Bichette 150. C'est ça. Non, écoute, ça. En dessous du 200, pas. Non, c'est pas bon. Mais Shohei Ohtani a frappé sa première bombe de la saison hier, les gars. Ben, c'est à peu près temps. C'est à peu près temps. J'ai hâte de voir cette enquête-là, ça va être quand ça va être réglé. Oh oui, lui aussi. Lui aussi. Et moi, j'ai hâte de fouler le terrain, par contre. C'est sûr qu'avec la neige aujourd'hui, ça a refroidi bien des gens. Notre chum Hugo, qui a pratiqué mercredi. C'est mercredi ou mardi? Non, mardi, Georges nous a invités. Notre chum Hugo, qui était sur un terrain de balle pour une pratique au bâton, mardi. Parlant aujourd'hui, ce qui se passe. Là, Gonzo, parlant de balle, là, j'ai vu qu'est-ce que t'as fait. Ben, j'ai fait un message, on a besoin de filles dans l'équipe. Gonzo, tu dois garder les standards élevés. T'as pas écrit élite. Non, j'ai pas écrit élite. Mais Gonzo, la phase que tu comprends, c'est que la fille qui va arriver avec les deux filles élites, là, puis qui va se dire, oh boy, les filles, parce que les filles se comparent entre elles. Non. Tu vas pas mettre une fille dans cette. Gonzo, non, je suis pas d'accord avec toi, par exemple. Gonzo, là, Moi, j'amène du monde élite. Je veux juste te dire que s'il met une fille dans une position qu'elle va regarder les autres, elle va dire je suis pas dans la bonne équipe. C'est pas si amical que ça, finalement. C'est très amical. Ouais, Gonzo, donne la vérité aux gens. Donne la vérité aux gens. Moi, je vais être intense sur chaque joueur qui va être sur le terrain qui vont jouer. C'est correct. Si tu dis pas à une fille que c'est élite, puis elle s'en vient, elle pense qu'elle va s'amuser, puis elle a le gars fou intense qui est là, elle va s'en aller pendant le match. Moi, j'ai envie de m'amuser, Georges, cet été. J'ai pas envie de me faire rincer. Gazo, oui, mais on sera pas rincé, mais ce que je veux dire, c'est que écris le mot élite quand tu demandes quelqu'un pour être sûr qu'elle soit pas dans une position où ce qu'elle pensait juste que c'était pour le fun, parce qu'on jouera pas pour le fun cet été. Oui, on joue pour le fun. Je te l'apprends, là, mais ça va être pour le plaisir. Puis à travers tout ça, oui, il y aura des bons coups, puis des victoires, puis tout ça, mais
On s'en va se faire du fun. Les gens tremblent déjà à la station, là, à l'idée de peut-être aller frapper au bâton puis de se dire, oh non, je me suis fait retirer, Georges Larraque va me rincer. Comme check. Les deux Beauregard, David Alexandre puis Thomas Beauregard, ils sont avec nous. Derek Brassard, il est avec nous. On en a plein de joueurs. S'il y en a qui tremblent à la station et qui ne veulent pas y aller, ils ont juste à pas venir. On va amener des gamers au bâton. Toi, t'es-tu That's it. Non, je suis pas élite, je l'admets. Mais je suis le commanditaire, je paye l'équipe, puis je commandite les chandails. Oh, fait que that's it. Moi, c'est ça que je fais. Tu vas acheter un championnat, Colin. Oui, je l'admets. Comme tes Dodgers, qu'est-ce que tu fais? Ben oui, je sais. T'es comme les Dodgers. Hey, la tête de secours va partir, on en reparlera par exemple. Hein? OK. On va aller à la pause, au retour. Prédiction match canadien Tampa Bay à la Gonzalez. Bonne heure de lunch avec le duo radio le plus imprévisible au Québec. On ne sait jamais ce qui va arriver, mais ça donne toujours un bon show. Larraque, Gonzalez. Et dans moins de 20 minutes, le phénomène Tony Marinaro sur BPM Sport. Salut, c'est Max. La semaine prochaine, ce sera spécial dans le club du matin. Ouais, vous savez, on s'en va à New York, un autobus rempli, 56 auditeurs. Jeudi soir, le match au UBS Arena. Les Islanders qui reçoivent le Canadien. Mais pour se rendre là, on veut célébrer notre premier voyage dans le club du matin avec vous autres. Puis les Islanders nous ont fait des cadeaux à compter de lundi dans le club du matin, à chaque matin à gagner, un gilet autographié de toute l'édition 2023-2024 des Islanders of New York du coach Patrick Roy. BPM Sport. BPM Sport. La radio des sports au Québec. Personne n'aime parler de ses problèmes financiers à voix haute. Mais chez Mallette, pas besoin de garder ça secret. Il n'y a pas de gêne à avoir quand on parle de solutions financières. Consultez le LLTT.ca pour prendre rendez-vous sans frais. Pour vos problèmes financiers, pensez à Mallette, syndic autorisé en insolvabilité. Novembre. Décembre. Janvier. Février. Mars. Avril. Mais... Juin! Quand on a une décapotable, une moto ou un véhicule récréatif, on a vraiment hâte à l'été. Déremisez votre véhicule en ligne et profitez-en le jour même avec SACLIC. Rendez-vous à saaq.gouv.qc.ca. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec. Vous êtes né pour l'aventure? La Forester 2024 de Subaru est faite pour vous. Sa fonction X-Mode optimise la traction et vous offre une confiance accrue sur tous les terrains. La Forester 2024 est votre partenaire d'aventure. Subaru, c'est nous. N'arrêtez pas de jouer au hockey parce que l'hiver se termine. C'est le moment d'inscrire votre équipe pour l'été dans la Big Hockey League. Notre ligue de garage organisée pour vous offrir une expérience de jeu digne d'un pro au complexe JC Perreault situé à Saint-Roch de la Chigan. Pour plus d'infos, bighockeyleague.com. Un an, trois ans, cinq ans, fixe, variable, fermé, ouvert, payé au mois, payé à la semaine. Pas facile de choisir. Pour de bons conseils, trouve ton courtier au hypothéca.ca. Ton hypothèque, on s'en occupe. Hey, veux-tu aller voir un match de soccer? Ben oui, facile, bien.ca. Billets.ca, soyez là. Viens voir l'unique équipe de baseball canadienne de la MLB, les 14 et 15 septembre. Voyage Gendron t'a préparé une escapade digne des plus grands fans de sport. Au menu, le match des Blue Jays contre les Cardinals de Saint-Louis. Temps libre dans le centre-ville de Toronto. Visite guidée de la métropole ontarienne. Hébergement au Holiday Inn Toronto Downtown Center et transport en autocar de luxe. Profitez-en pour vivre une expérience unique de baseball avec une personnalité de la station. À partir de $495 pour une occupation double. Rendez-vous sur gendrontour.com pour les détails et pour d'autres offres de voyage. Amateurs de golf, vous cherchez une solution pratique et esthétique pour votre cour arrière? Faites confiance à InnoVert, les vrais spécialistes du gazon synthétique. Profitez de notre promotion du printemps. Recevez un green de golf d'une valeur de 1 000 $ gratuitement à l'achat d'un aménagement complet. Contactez-nous pour plus de détails au gazoninnovert.com. Financement disponible. Préfère, c'est grand. Que tu sois camionneur, soudeur, électricien, compagnon, charpentier, plombier, c'est chez Préfère que tu trouveras le plus vaste choix de vêtements, chaussures, équipements de sécurité et haute visibilité. Si tu as bel oeil, sortie 109 autoroute 20, ou préfère.ca. Préfère, équiper les travailleurs d'ici. Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment, et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril. Depuis 15 ans, Pelleza dédie son expertise à la beauté. Notre dévouement se reflète dans nos divers soins offerts dans une ambiance inégalée. Célébrons ensemble cet héritage de beauté et d'excellence et prenez rendez-vous avec nous au institutbelleza.com. Flore déco. Allô?
Oh, wow, tes planchers! Ça vient de chez Flore Déco, le dosseret, la céramique. On est super contents. Vous avez dû travailler fort. Même pas, ça a été simple, simple, simple. De l'inspiration jusqu'à l'installation. Wow! FloreDeco.ca. Pour un véhicule d'occasion dans le Grand Montréal, le concessionnaire, c'est Vio Ford Saint-Rémy. Avec notre vaste sélection de véhicules d'occasion, notre service incomparable et nos prix imbattables, vous repartirez de chez nous satisfait, c'est garanti. Vio Ford, à seulement 10 minutes au sud du pont Mercier ou sur vioford.com. Le 11 avril prochain auront lieu les portes ouvertes à la résidence L'Alto. Soyez l'un des 20 premiers visiteurs et obtenez une carte cadeau surprise de 25 $. Certaines conditions s'appliquent. Renseignez-vous au horizonresidence.com. BBM Sport, c'est aussi la commission athlétique. La boîte de production numérique qui repêche les meilleurs podcasts de sport au Québec. Tapez commission athlétique sur toutes les plateformes de balado ou sur bbmsport.ca. La Rade Gonzalez est propulsée par Montréal Autoprix. Comme Georges, on va droit au but. Et toujours sans cachette, Montréal Autoprix, la grande adresse au petit prix sans frais cachés. Upgrade ton expérience BPM Sport avec notre nouvelle diffusion vidéo en direct, tout le temps. La RAC. Gonzalez. Sur YouTube. Et Facebook Live. Bon, là maintenant, c'est le temps de faire nos prédictions pour le match canadien-Tampa. C'est pas de mon côté, Big. C'est pas de mon côté. Ouais, faut que tu mutes, mon Georges. Ouais, faut que tu mutes sur le Zoom. Attends une minute. Sur le Zoom. OK. Non, voilà. OK. Quand j'ai payé sur Mio, j'ai payé sur vidéo à la place. Exact. Non, excuse-moi, Ben. Le bouton est à côté, le vidéo. Fait que j'ai payé sur le vidéo à la place. Désolé. Je me demandais pourquoi le son était comme ça. Godzo, j'ai hâte de te voir derrière le zoo avec ton doigt. Là, c'est le temps de nos prédictions pour le match de ce soir. Mais là, Godzo, écoute, j'ai une confession à faire. OK, vas-y. Hier, j'ai dormi comme un bébé. J'ai dormi en petite boule, je sais mon pouce, j'étais tellement content. Pourquoi? Parce que hier, tu m'as rassuré. Le scoop que tu nous as donné, Gonzo, hier, c'est très important. Parce que maintenant, ça ne me dérange plus que le Canadien gagne. Le Canadien va aller battre Tampa. Tiens. Non. Gonzo, écoute, le Canadien n'arrête pas de nous surprendre match après match. Ils ont battu Colorado, ils ont battu la Floride, Hawaii, un autre match de série contre Tampa. Gonzo, le Canadien va repêcher 7-8e. On va avoir Higginla, s'il sort dans le top 10, il sera propice ailleurs. Le Canadien va avoir un choix 7-8. On a Higginla et voilà. Notre top 6, pas l'an prochain, mais dans 2 ans, c'est fait. Fait que moi, ça ne me dérange plus, Gonzo Boulier. Je suis rassuré avec Higginla, avec l'info que tu as eue hier. Ça me dérange attends, pas. Ça ne veut pas dire qu'il va être là quand le Canadien va parler, si le Canadien continue à gagner des matchs. Gonzo, il va être là. Ah, tu veux dire s'il continue, s'il monte comme puis il repêche 10e? Je pense que 10e, il est encore là. Sixième est encore là. Le Canadien va avoir un choix dans le top 10. Ouais, mais là, il reste 8 matchs, OK? Et là, tu sais qu'il y a les Sénateurs puis il y a les Flames. Les Coyotes, hier, n'ont pas été capables de donner un coup de main aux Canadiens. Ils ont perdu 2-1. Ouais, ça, c'est pas surprenant. Il y a 3 points de différence. Le Canadien ne peut pas gagner ça ce soir. Puis non, le Canadien de Montréal, ce soir, ils perdent de toute façon. Moi, je vais avec Tampa Bay. Non, moi, la logique est avec Tampa. Gonzo, tous les matchs qui restent la fin de l'année, la logique est que le Canadien devrait perdre. Oh, je pense que moi, le Canadien, il joue bien, genre, oui, je sais. Ses 5 derniers matchs. Mais regarde la cédule. On s'entend-tu que toutes les équipes qui restent, là, il y a les Rangers, regarde la cédule. Le Canadien devrait partir tous ces matchs-là. Mais tu sais que ça ne va pas arriver. Le Canadien est tellement impressionnant en ce moment qu'ils ne vont pas perdre tous les matchs. Puis tu as raison, je ne serais même pas surpris qu'on monte et qu'on dépasse des équipes devant nous autres. Ce soir-là, ça se peut, puis je ne dis pas que ça va être le cas. Mais rappelez-vous, les Panthers, plus tôt cette semaine, il y a eu Tkachuk et Verhaeghe qui n'étaient pas là. Sauf que quand tu attrapes une équipe sur un 2-2 suite à un match qui était quand même important, ben il peut y avoir un petit relâchement. Puis, tu sais, je dis pas que ça va arriver parce que je pense que Lightning de Tampa Bay a toujours du succès contre le Canadien de Montréal. Puis, je pense que le Lightning va gagner ce soir contre le Canadien avec Kevin Primo devant le filet. Qui est dans les. Ah, Kevin Primo en plus? C'est Primo qui est devant le filet, oui. Oh, on lui donne un bon test, j'aime ça. Oui, on va lui donner un bon test. Mais est-ce que le Lightning sur un 2-2? Oh, tu sais, Lightning, c'est quoi? C'est 8-1 et 1 à ces 10 derniers matchs. Le match est solide, où? Dernièrement. C'est où le match? Ah, c'est à Montréal. Ah, Gonzo, c'est un match. Ça va être tellement serré, là.
Mais moi, je suis plus capable de je sais plus comment prédire les matchs Canadiens-Montréal. Les Canadiens devraient, quand on dit qu'ils devraient perdre, vont gagner. Puis quand on dit qu'ils devraient gagner, ils vont perdre. Puis là, c'est tous des matchs qu'ils devraient perdre. Puis il y a tous les matchs qui nous surprennent. Hey, ils ont déclassé les Panthères, là. Ils ont déclassé, ils ont fait mal paraître. Oui, il manquait des gros joueurs, mais c'est pas grave, on peut pas utiliser des défaites. Les Canadiens-Montréal aussi, ils manquent des gros joueurs. Fait que tu sais, c'est pour ça que quand tu regardes ça, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'ils vont faire contre Tampa? C'est toujours des matchs serrés, c'est un match d'un but. Ils ont joué hier, t'aimes pas, Canadiens reposés, ils jouent à la maison, sont gonflés à bloc. Ils viennent de battre les Panthères, la confiance est élevée. Canadiens ont rien à perdre. Quand tu joues contre une équipe qui n'a rien à perdre, c'est une équipe qui est dure à jouer contre. Suzuki joue pour ses 80 points, Gonzo. Combien de points Suzuki ce soir? Un. Oh, un. Je veux dire un. Ça va être un match très serré aujourd'hui, je pense. Un match excitant. Je pense que ça va être un des meilleurs matchs qu'on va voir du Canadien de Montréal aujourd'hui. Ah ouais, tu veux dire au niveau du rendement? Oui, ouais, tu sais, comme les Panthers... C'est dur à battre. Ce qu'on a vu contre Colorado, c'était... Non, mais Gonzo, contre les Panthers, c'était serré aussi. C'était un match de série, là. Contre les Panthers aussi, c'était serré. Colorado aussi, celui-là aussi, t'aimes pas parce que t'aimes pas des bons joueurs. Je pense que... Tu sais, moi, j'aime ça quand voir le Canadien Gonzo jouer puis pas gagner à cause que ton gardien fait des prouesses. Tu sais, les chances de marquer des deux côtés, c'est le même. Fait que tu montres que tu es capable de compétitionner avec une autre équipe. Puis ça, c'est le fun de voir ça quand même. Ouais, mais j'y crois pas. Je te dis pas que ça va être comme samedi contre les Hurricanes, là. Mais je m'attends à un genre de 4-1-4-2, là, pour Tampa Bay. Mais Gonzo, tu vois, j'ai lâché prise avec le boulier. Ça me dérange plus que le Canadien gagne parce qu'on a Higgin là. C'est une belle consolation. Un gars qui a de la hargne dans le top 6, un gars qui n'a pas peur quand ça frappe, quand c'est physique. Puis là, tu vois, Jérôme qui va venir souvent à Montréal, les gens vont aimer ça le voir, il va être autour des gars, il va aider pas mal plus que juste son gars. Tu sais, ça va être un bel aura qui est là, Monsieur Canada. Non, je te dis, Gonzo, c'est parfait. Mais je te pose une question sur Tampa, OK, avant d'aller en pause. Tampa hier bat les Leafs, OK? Morgan Riley de retour, là, finalement, Matthews marque encore, puis, tu sais, on a vu, là, tu sais, Tampa Bay ce soir, là, Kucherov, Stamkos, Edman, Point et compagnie, c'est du solide. Avec la victoire de Tampa, ils sont à 4 points des Leafs. Est-ce que Tampa rattrape Toronto? Je sais pas. 4 points de différence. C'est une excellente question. C'est une excellente question. Ils ont le même nombre de matchs joués, il reste 7 matchs. Non, je pense pas. Ils sont à 4 points? 4 points. Encore une fois, la règle d'or. Il reste 7 matchs. Les Leafs, s'ils en gagnent 5, il faut que Tampa gagne toutes. Tu sais, avec 7 matchs, c'est pas assez. L'échantillon est trop court, je pense pas. Et il reste un match, Tampa contre Toronto. Oh, là, c'est pas pareil. Là, ça change tout. Ouais. Ça change tout. Puis Tampa a un des calendriers les plus favorables. Le reste, à part le match contre Toronto, Tampa, il reste Blue Jackets, Canadiens, Ottawa, Buffalo, Pittsburgh, Washington. Ouais. OK, ben en tout cas, on verra, on en reparlera plus tard, parce que là, on a un gars qui attend à l'autre côté de la ligne sur Zoom. Il a faim! Lui aussi, il a faim! Je sais pas s'il a faim, même s'il neige. Mais Tony Marinaro avec nous au retour. À tout de suite. À la demande générale, BPM Sport et Billets.ca récidivent avec le seul concours radio où vous êtes le héros. En fin de retour, le voyage sportif de rêve au soleil. Le sport de ton choix dans la ville de ton choix. Hockey, baseball, MLS, basketball ou football. Los Angeles, Miami, Las Vegas. Inscrivez-vous en tout temps dans la section concours du bpmsport.ca. Et écoutez tous les jours en semaine à 8h et 17h. Si Max Lalonde et Martin Lemay t'appellent, tu dois répondre seulement et rien d'autre. Billets.ca. Grand gagnant le 22 avril. Billets.ca. BPM Sport et Billets.ca. Ensemble pour tous vos trips de sport. Billets.ca. Depuis 15 ans, Peleza dédie son expertise à la beauté. Notre dévouement se reflète dans nos divers soins offerts dans une ambiance inégalée. Célébrons ensemble cet héritage de beauté et d'excellence. Et prenez rendez-vous avec nous au institutbeleza.com. Vous êtes au mauvais endroit au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, témoin, pour voir la vérité en pleine face.
Débrouillez dès le mardi 9 avril. Vio Ford à Saint-Rémy, c'est le concessionnaire numéro 1 de véhicules d'occasion certifiés Ford au Québec. Consultez notre inventaire allant du F-150 jusqu'au F-450. Plus que jamais, Vio Ford est la référence dans le Grand Montréal. À seulement 10 minutes au sud du pont Mercier ou sur vioford.com. Préfère, c'est Garant. Que tu sois couvreur, menuisier, agriculteur, cimentier, plâtrier, c'est chez Préfère que tu trouveras le plus vaste choix de vêtements, chaussures, équipements de sécurité et haute visibilité. Si tu as bel oeil, sortie 109, autoroute 20 ou préfère.ca. Préfère, équiper les travailleurs d'ici. Avant de magasiner pour sa première maison, c'est important de faire un budget. Pour t'aider à faire les calculs et déterminer combien tu peux payer, trouve ton courtier au hypothéca.ca. Ton hypothèque, on s'en occupe. Novembre. Décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin! Quand on a une décapotable, une moto ou un véhicule récréatif, on a vraiment hâte à l'été. Déremisez votre véhicule en ligne et profitez-en le jour même avec SACLIC. Rendez-vous à saaq.gouv.qc.ca. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec. Y a rien comme réussir à faire un 7 de plus. XPN t'aide à repousser tes limites et atteindre tes objectifs avec sa gamme complète de suppléments alimentaires. Prêt à tout donner? Nous aussi. Des suppléments de qualité faits au Québec depuis 2003. XPNworld.com. Viens voir l'unique équipe de baseball canadienne de la MLB. Les 14 et 15 septembre, Voyage Gendron t'a préparé une escapade digne des plus grands fans de sport. Au menu, le match des Blue Jays contre les Cardinals de Saint-Louis. Temps libre dans le centre-ville de Toronto. Visite guidée de la métropole ontarienne. Hébergement au Holiday Inn Toronto Downtown Center et transport en autocar de luxe. Profitez-en pour vivre une expérience unique de baseball avec une personnalité de la station. À partir de $495 pour une occupation double. Rendez-vous sur gendrontour.com pour les détails et pour d'autres offres de voyage. N'arrêtez pas de jouer au hockey parce que l'hiver se termine. C'est le moment d'inscrire votre équipe pour l'été dans la Big Hockey League. Notre ligue de garage organisée pour vous offrir une expérience de jeu digne d'un pro au complexe J.C. Perrault situé à Saint-Roch de la Chigan. Pour plus d'infos, bighockeyleague.com. Hey, je suis tellement déçu. Je voulais aller à la game, mais imagine-toi non qu'il n'y a plus de billets. Voyons, as-tu regardé sur billets.ca? Là-dessus, il en reste tout le temps. Billets.ca, soyez là! Le 11 avril prochain auront lieu les portes ouvertes à la résidence Les Habitations Pelletier. Soyez l'un des 20 premiers visiteurs et obtenez une carte cadeau surprise de $25. Certaines conditions s'appliquent. Renseignez-vous au horizonresidence.com. Vous êtes né pour l'aventure? La Forester 2024 de Subaru est faite pour vous. Sa fonction X-Mode optimise la traction et vous offre une confiance accrue sur tous les terrains. La Forester 2024 est votre partenaire d'aventure. Subaru, c'est nous. Bet99.net est un site Internet gratuit de sport et casino axé sur le Québec. Bet99.net fournit les meilleures cotes à jour, informations et stratégies pour apprendre à parier tout en ayant une expérience de casino gratuite pour les fans à travers la province. Vous cherchez une solution pratique et esthétique pour votre cour arrière? Chez Innovair, nos produits sont durables, résistants aux intempéries et ont un look des plus réalistes. Que ce soit pour transformer votre espace extérieur ou pratiquer vos coups d'approche sur un green de golf, faites confiance à Innovair, les vrais spécialistes du gazon synthétique. Financement disponible. BPM Sport. Votre coéquipier en tout temps. Et ça commence tôt. En semaine dès 6h, faites partie du nouveau club du matin. Avec Max Lalonde, Gilbert Delorme. Entouré d'une équipe pour faire les séries. Les poids lourds avec Tony Marinaro vous est présenté par le groupe Dilary. Votre destination automobile de choix dans la grande région de Montréal. Trouvez votre véhicule idéal parmi notre sélection exceptionnelle dans l'un de nos 11 concessionnaires. Roulez avec nous. Roulez en Dilary. Georges Larac. Et Stéphane Gonzalez. Larac Gonzalez. Là, on reçoit nos préférés, Tony Marinaro from the Sick Podcast. Comment ça va, Tony? Salut, Tony! Salut, les gars, ça va très bien. Les gars, ce soir, c'était l'adversaire intéressant à Montréal, le Lightning de Tampa Bay. Puis la raison pour laquelle je dis ça, beaucoup d'admiration, évidemment, pour cette organisation-là, qui est une organisation gagnante. Avec trois Coupes Stanley depuis 2004. Mais moi, je crois sincèrement que quand tu bâtis une équipe de hockey, il faut que tu regardes qu'est-ce qui se fait ailleurs puis qu'est-ce qui fonctionne. Puis le Lightning avec deux Coupes Stanley puis trois fois en finale, deux victoires, une défaite en finale, au cours des dernières 5 ans, je pense que c'est vraiment important
important pour Hughes et Gorton de regarder qu'est-ce qui se passe Tampa Bay. Donc, j'ai fait un peu de recherche ce matin. Puis, évidemment, on sait tous, ils ont un gardien but numéro un à Vasilevskiy, un défenseur numéro un à Edmund, un compteur de but numéro un en Stamkos, un des meilleurs joueurs de la Nationale en Kucherov. Oui, ils ont beaucoup d'éléments. Mais ça prend différents joueurs dans une équipe de hockey pour faire différents rôles. Puis je regarde l'équipe de 2020, Killorn, Maroon, Paquette, Goodrow, Killorn en 2021, Goodrow, Coleman, Maroon. Coleman, ouais. Tu sais, les gars, ces joueurs-là, ils ont tous eu des rôles importants. Il y en a qui étaient sur le deuxième trio, il y en a qui étaient sur le troisième trio, il y en a qui étaient sur le quatrième trio, donner de l'énergie, garder l'avance, tuer des pénalités. Ils ont beaucoup fait pour Tampa. Puis, tu sais, on s'entend tous que le Canadien, les gars, pourrait utiliser un autre joueur de talent. On sait tout ça. Mais au moins, pour moi, c'est ça qui manque aux Canadiens aussi beaucoup. Ça manque beaucoup aux Canadiens parce que est-ce qu'on peut dire que les Canadiens ont vraiment un quatrième trio d'après ce que tu as vu cette année? Non, mais Tony, il y a l'émergence de Joel Armia. Oui, je sais, Georges, mais Joel Armia, son contrat prend échéance l'année prochaine. Exact. Est-ce que tu vas prolonger son contrat? Non. Parce qu'il s'est réveillé dans les dernières deux mois et demi. Tony, non, moi, Tony, je te dis, sa valeur, elle a été assez élevée que je pense qu'au repêchage, tu peux le flipper sans garder une partie de son salaire. Moi, ça va être à la date limite, je pense, les gars. Tu penses jusque-là, mais, Big? Tu sais, Gonzo, tu dis échanger, puis oui, c'est correct. Il fait 6 pieds 4, hein? Puis je sais qu'il ne joue pas toujours comme 6 pieds 4, mais il faut le remplacer quand tu vas le remplacer par un gars qui a des mêmes caractéristiques, évidemment avec plus de constance, là. Mais peut-être un gros gabarit aussi, mais c'est Tony, vraiment du papier sablé. Tony, du papier sablé qui manque aux Canadiens, les gars. Je le sais, Tony, avec qui tu remplaces Joel Armia. Dis-moi. Ben, je sais qui tu vas dire, Georges. Vas-y, Gonzo. Ben, Josh Anderson. Exactement. Tony, il y a quelqu'un qui va donner un coup de pied à ce gars-là cet été, puis l'année prochaine, il va revenir physique comme on le connaît, puis ça va remplacer le manque qu'Armia sera plus là. Parce qu'il est pas là, Tony. Il est pas là. Là, Georges, les athlètes professionnels qui signent des ententes à long terme à 5,5 millions de dollars par saison, il faut leur donner un coup de pied pour les faire fonctionner ou les réveiller. Ça vaut rien, ça. Ça vaut rien. La motivation, ça doit venir de l'interne, pas de l'externe. Mais Tony, ça doit venir de l'interne. Tu amènes quelque chose d'intéressant, puis là où je veux venir aussi pour le Lightning de Tampa Bay, c'est que les gars comme Goodrow, comme Coleman, comme certains autres, ont été amenés surtout à la date limite des transactions par Julien Brisebois. Oui. Puis on a amené les morceaux qui manquaient, puis il fait tout le temps ça. Là, regarde, Paul, tu sais, Nick Paul qui est là encore à oui, lui en est un autre, oui, oui. Tanner Janot, on a dit, ils ont donné une collection de choix. C'est des gars avec des grosses choses. Brandon Hagel. Oui. Brandon Hagel. On a payé cher parce que ce gars, lui. Tony, ouais, rappelez-vous, ce gars-là était venu au camp du Canadien et on ne l'avait pas fait signer de contrat. Il est allé finalement avec Chicago. Puis Tony, oublie pas les joueurs. Mais George, juste dernière chose. T'en souviens-tu qu'est-ce qu'ils ont donné, le Lightning, pour Brandon Hagel et Tanner Janot? Pour Brandon Hagel, ils ont donné deux choix de première ronde pour Hagel à Chicago. Et pour Janot, ils ont donné c'était Calfoot. Ouais, un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième et un cinquième. Cinq choix. Maintenant, évidemment, je ne voudrais pas que les Canadiens se départissent de cinq choix de repêchage pour avoir un joueur à la Janot. Mais si tu dois échanger tes premières rondes pour avoir ces joueurs, ces joueurs-là, pourquoi ne pas faire d'un choix de première ronde un de ces genres de joueurs? Tu as parlé de Guinlay hier? Oui. T'sais, moi, je parle avec beaucoup de personnes qui me disent, mais si le Canadien repêche 6, là, à Guinlay, il va sortir peut-être 9 ou 10. Moi, tu sais, qu'est-ce que je dis? Si c'est vraiment le gars que tu as besoin dans ton équipe, repêche-le 6e, man. Oui, exact.
Puis je prétends pas être quelqu'un qui regarde tous ces jeunes joueurs, là, parce que contrairement à la plupart des membres des médias qui disent regarder tous les joueurs juniors, puis être au Centre Bell pour regarder tous les matchs des Canadiens en même temps, puis être à la maison pour regarder tous les autres matchs de la Ligue nationale, c'était possible. Là. Je sais, Tony, je suis d'accord avec toi à 100%. Qui regardent je suis d'accord avec toi à 100%. Il y en a plein qui disent n'importe quoi, je suis d'accord avec toi à 100%. C'est toute la bullshit, là. C'est toute la bullshit. Je suis d'accord avec toi. C'est ça, mais c'est pourquoi mentir? Tout le monde devient un expert du repêchage. Moi, quand je veux parler de ces jeunes joueurs-là, je mets des gens qui font ça à temps plein. Hey, les gars, ils regardent les jeunes joueurs, ils vont à leur match. C'est ça. Hey, les gars, c'est comme... Les gars, ce que Tony vient de dire, c'est comme Gonzo. Les gars, c'est comme le gars qui se vante d'avoir fait le tour du monde dans plein d'endroits, puis finalement, on sait que c'est pas vrai. Pourquoi tu le ramènes? De tu peux le nommer, je, de qui, ça. De qui que je parle? Je sais pas son nom, je sais pas son nom. De Monsieur Bougingo. OK, c'est ça, OK. C'est ça, hein, c'était François Bougingo. Ah ouais? Elle t'a pas pétonné. Ah ouais. Mais rendu là, Tony, tu sais, quand le Canadien sera rendu là où le Lightning était, on verra comment Hughes et Gorton vont sacrifier pour pouvoir greffer le morceau, les morceaux manquants. La différence avec Julien Brisebois, c'est que quand lui allait y greffer, souvent il signait. Oui. Écoute, Julien a fait un travail colossal. Ouais, ouais. Puis lui, il a regardé son noyau, puis il dit « J'ai des chances de gagner la Coupe cette année. » Sauf que si jamais ça n'arrive pas cette année, puis évidemment, ils ne sont pas favoris, là, mais ils ont encore le gardien, puis le centre numéro 1, puis le centre numéro 2, puis un des meilleurs joueurs au monde en Kucherov, puis ils ont les éléments pour aller loin. Si jamais ils ne vont pas loin, puis là, ils vont perdre Stamkos peut-être à la fin de l'année, dont la transaction de Janot, évidemment, ça valait pas la peine. Merci, Tony. Il a beaucoup donné pour Janot. Ouais. Ça vaut la peine si tu gagnes la Coupe. Merci. Tony, on t'écoute dans le SIG Podcast. Bon match à soir, Tony. À demain. Merci. Vous aussi, bye-bye. Je te gage que, présenté par Bet99.net. Tous les matchs commencent sur Bet99.net. Pour ma cote Bet99, j'y vois un classique. Pas un classique qui était comme dans le temps, mais ça reste un classique quand même. Caps versus Pingouins. Les Caps qui se battent pour une place en série, puis les Pingouins qui donnent un petit peu de vie. C'est un match de 4 points pour les deux équipes qui va l'emporter, c'est à Pittsburgh. La cote 1.95 pour les Caps, 1.87 pour les Pingouins. Le bon vieux Sidney Crosby veut montrer que les Pingouins sont pas morts. Fait que j'y vais avec les Pingouins pour la victoire. 1.87, parce que le 87, le numéro Crosby est dans le 87 et dans la cote. Donc ça veut dire que les Pingouins vont gagner. Crosby va battre Ovechkin pour lui montrer que c'est encore lui, le roi et maître. Yes! C'est une fois au chalet. Belle touche, mon Ben. Ça, c'est de la radio. On s'en va aux manchettes, Digo. Puis par la suite, c'est le gros débat sur le code avec Gonzo. Flash vous est présenté par CarGurus. Ça peut être difficile de trouver la bonne voiture au bon prix, mais pas avec CarGurus. On vous donne accès à une vaste sélection d'évaluations et d'avis impartiaux sur les concessionnaires afin que vous puissiez faire le bon choix. Commencez votre recherche sur CarGurus.ca ou téléchargez l'application CarGurus. Sport. Flash. Le Canadien affronte le Lightning ce soir au Centre Bell. C'est Caden Primo qui sera devant le filet. Par ailleurs, Lane Hudson ne fait pas partie des trois finalistes au trophée Hobby Baker dans la NCAA. Les finalistes sont Jackson Blake de l'Université de North Dakota, Macklin Celebrini de Boston University et Cutter Gauthier de Boston College. 9 affrontements dans la LNH aujourd'hui, voici ceux à surveiller. Match très important entre les Capitals et les Penguins pour la course aux séries dans l'Est. Washington est à 82 points et Pittsburgh 77. Par ailleurs, les Islanders de New York seront les visiteurs à Columbus. La troupe de Patrick Roy est à 81 points. Série dans la LHJMQ. 3 balayages ont eu lieu hier. Le Titan d'Acadie Bathurst ont éliminé la 4e meilleure équipe du circuit de Chicoutimi en les Moussets d'Halifax. Les Saguenayens ont balayé les Wildcats de Moncton en remportant le 4e match 5-2. Le Drakkar a dominé les Islanders 7-1 pour remporter la série et les Voltigeurs de Drummondville ont balayé les Sea Dogs.
Dans la MLS, CF Montréal a annoncé avoir fait l'acquisition d'un montant de 150 000 $ en argent d'allocation générale en 2024 de l'Inter Miami. Le CF, en retour, va donner une place d'un joueur étranger en 2024. Le club a aussi annoncé avoir prêté le défenseur Robert Torkelsen en deuxième division norvégienne jusqu'au 1er août 2024. Et finalement, à la boxe, Tim Clavel affronte Farah El-Bouzaïri ce soir au casino. Par contre, l'Espagnol a fait osciller la pèse contre à 111,4 livres, alors que la limite du combat était fixée à 110 livres. Clavel, elle, a fait le poids. BPM Sport, c'est aussi la radio de la légende Régent Tremblay. Tous les matins, 7h25. 91.9 Montréal, 100.9 Québec, 96.5 Outaouais. BPM Sport, la radio des sports au Québec. Sport. Propulsé par Bet99.net. Flore Déco. Allô? Oh wow, tes planchers! Ça vient de chez Flore Déco. Le dosseret, la céramique. On est super contents. Vous avez dû travailler fort. Même pas, ça a été simple. De l'inspiration jusqu'à l'installation. Wow! FloreDeco.ca. Vous êtes tanné de manquer d'électricité lors des intempéries? Ici Éric d'Erco.ca. On a la solution. On vous installe une génératrice automatique résidentielle à partir de seulement 49 $ par semaine. C'est plus de 15 000 clients qui nous ont fait confiance. ERCO.ca. Besoin de remorques fermées ou plateformes, d'excavatrices pour vos chantiers ou de nacelles intérieures ou extérieures? Venez chez Location Remorque Laval. Le joueur qu'il vous faut dans votre équipe, la référence pour la location, c'est locationremorquelaval.ca. Bioford à Saint-Rémy, une histoire de famille depuis 1945. Voici Joanne Brou. Moi, je viens chez Bioford depuis plus de 40 ans maintenant. C'est un très bon service, que ce soit aux ventes, à la carrosserie ou bien au service. Exemple, si vous avez besoin de des pneus, ils sont à votre écoute. Ils savent vous conseiller. Les gens sont amicaux, sont toujours souriants, sont toujours prêts pour vous. J'hésiterai pas à acheter chez Bioford parce que c'est vraiment A1 comme service. Attention, acheter son véhicule chez Bioford, c'est s'assurer d'y acheter le prochain. L'expérience commence sur vioford.com. Personne n'aime parler de ses problèmes financiers à voix haute. Mais chez Mallette, pas besoin de garder ça secret. Parce qu'il n'y a aucune gêne à avoir quand on parle de solutions à vos difficultés financières. Nos experts en insolvabilité sont là pour vous écouter et pour vous aider, peu importe votre situation. Consultez le llTT.ca pour prendre un rendez-vous sans frais avec l'un de nos spécialistes. Pour vos problèmes financiers, pensez à Mallette. Syndic autorisé en insolvabilité. Vous êtes au mauvais endroit au mauvais moment et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder la chaîne télé Témoin pour voir la vérité en pleine face. Débrouillez dès le mardi 9 avril. Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Juin! Quand on a une décapotable, une moto ou un véhicule récréatif, on a vraiment hâte à l'été. Déremisez votre véhicule en ligne et profitez-en le jour même avec SACLIC. Rendez-vous à saq.gouv.qc.ca. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec. Le 11 avril prochain auront lieu les portes ouvertes à la résidence Villagia de l'Île-Patton. Soyez l'un des 20 premiers visiteurs et obtenez une carte cadeau surprise de 25 $. Certaines conditions s'appliquent. Renseignez-vous au horizonresidence.com. Préfère, c'est grand. Que tu sois paramédic, infirmier, militaire, policier, c'est chez Préfère que tu trouveras le plus vaste choix de vêtements, chaussures, équipements de sécurité et haute visibilité. Si tu as bel oeil, sortie 109, autoroute 20 ou préfère.ca. Préfère, équiper les travailleurs d'ici. Viens voir l'unique équipe de baseball canadienne de la MLB. Les 14 et 15 septembre, Voyage Gendron t'a préparé une escapade digne des plus grands fans de sport. Au menu, le match des Blue Jays contre les Cardinals de Saint-Louis. Temps libre dans le centre-ville de Toronto. Visite guidée de la métropole ontarienne. Hébergement Holiday Inn Toronto Downtown Center et transport en autocar de luxe. Profitez-en pour vivre une expérience unique de baseball avec une personnalité de la station. À partir de 495 $ pour une occupation double. Rendez-vous sur gendrontour.com pour les détails et pour d'autres offres de voyage. Vous êtes né pour l'aventure? La Forester 2024 de Subaru est faite pour vous. Sa fonction X-Mode optimise la traction et vous offre une confiance accrue sur tous les terrains. La Forester 2024 est votre partenaire d'aventure. Subaru, c'est nous. Hey, veux-tu aller voir un match de soccer? Ben oui, facile! Bien.ca.
Lisette.ca. Soyez là. Les enfants terribles de la radio sont de retour. Larac, Gonzalez. Bon, c'est le temps du débat maintenant. On a hâte de vous entendre. Désolé, on a hâte de vous entendre. Je vais payer sur mute encore. On a hâte de vous entendre faire 2h15. C'est quoi le son que ça fait, les gars, quand j'ai oublié de payer sur mute? Qu'est-ce que ça fait comme son? C'est tout un retour de son, là. C'est tout un retour c'est de son. C'est un écho épouvantable. Ben, je dirais même plus, c'est tout qu'un retour de son. Tout et qu'un. Tu sais maintenant comment je me sens, parce que des fois, sur la route, c'est ça qui arrive. Ouais. Non, mais en tout cas, là... correct. C'est, ah ouais. C'est bon. Ça, ça vous fait rire un peu, les gars. C'est parfait. Ça se règle rapidement. Ben oui, c'est en une fraction de seconde, tu passes sur mute. Sur mute. Non, ben c'est parce que justement, c'est tellement pas habitué parce que, écoute, Gonzo, j'ai le Zoom devant moi, j'ai Comrex à côté, j'ai mon ordi qui est là, j'ai 3-4 ordi autour de moi, fait que c'est pour ça que... Ah non, écoute, c'est du stock, là. C'est du stock. D'ailleurs, je suis un peu triste, je te dirais, Georges. Je suis habitué quand t'es à la maison que de voir la relique et qui prend le mur au complet derrière de toi. Je m'attendais à un cadre différent cette semaine à la maison. Ah, un jour, dis-moi qu'au moins avant la fin de la saison, on pourra te voir couché à l'horizontale avec ton cadre en arrière-plan. De Jésus? Ben oui. OK, il n'y a pas de problème. Je vais faire juste un show de la maison. On a tellement parlé souvent que j'aimerais ça que les gens puissent comprendre à quel point ils prennent la place. La seule chose, Gonzo, c'est qu'à la station, on ne m'a pas mis sur la vidéo. C'est juste toi qu'on voit tout le long. Parce que je ne sais pas pourquoi, je suis sur Zoom. Peut-être que Ben peut répondre à la question pourquoi, mais même si on est les deux sur Zoom, hier, le dernier show qu'on a fait comme ça, on t'a vu tout le long, on m'a jamais vu une fois en ligne. Les gens disent pourquoi on te voit pas en ligne, on voit juste Gonzo. Mais fait... Moi, je pense que j'ai une réponse, là. Vas-y. Le son qui provient de Zoom, Steph nous envoie un signal sonore qui passe par la console et les caméras captent ce signal sonore. Toi, t'es muté. Ton Zoom est muté. Alors, les caméras ne peuvent pas aller te chercher. C'est pour ça. T'es sur Comrex. Ton son, toi, provient de Comrex. OK, fait voilà la raison pour laquelle les gens... Parce qu'il y a des gens qui m'écrivent qui disent « Pourquoi on ne te voit pas? » Mais c'est pour ça. Ben vient de l'expliquer pourquoi. Voilà. Puis, je ne peux pas aller sur Zoom comme Gonzo parce que sur Zoom, on n'entend pas les rentrées de son puis les sorties de son. C'est fou que Zoom, ça fasse ça. Comrex, on entend tout, Ben. Mais en même temps, tout à l'heure, Steph... Tu as entendu le témoignage de Stéphane Brocheux? Tu l'as entendu dans son intégralité? Oui. On entend, mais... Ben, on entend les mots quand le monde parle. Okay. C'est les thèmes, le son qu'on n'entend pas tout le temps. En fait, c'est tous les éléments sonores, Ben. C'est les retours de pause, les pubs et tout ça. C'est comme si ça passait dans une genre de pédale flanger un peu. Là, ça... Non, mais c'est vrai. Ben, c'est comme des vagues un peu. Ben, puis le nombre de fois que je l'ai fait, aussitôt que Gonzo commençait à parler, c'est là que je le savais, puis... Parce que sinon, les sons, on n'entend pas souvent. Puis je suis là de même. À un moment donné, il y avait un Bet 99, puis je disais rien. Puis là, Gonzo faisait signe parce que j'entendais pas. J'entendais que la trame parte, mais on n'entend rien. Fait que ça fait comme bizarre. C'est pour ça que je peux pas aller sur Zoom juste pour que les gens me voient. Parce que Ben, tu capoterais parce que tu pourrais faire le travail que tu fais pour le show du retour pendant qu'on parle. Il faudrait que tu sois attentif, tu nous regardes tout le long, tu nous fasses des signes tout le long. Puis t'aimerais pas ça. Mais la bonne nouvelle, les gars, c'est que demain. On est en studio pour la dérape du vendredi, pour ce rap battle, pour de la méditation avec le bol, et on va être là en personne demain. Puis là, Gonzo, avant de parler de notre débat d'aujourd'hui, ça va être tellement intéressant d'entendre les gens vers 2h15, parlons de ce début de match. Je peux pas croire qu'on n'en a pas parlé, parce qu'on connaît les codes, qu'on n'en a pas parlé, on n'a pas averti les gens avant, là. Mais parlons de ce début de match entre les Devils et les Rangers. Premier chiffre. Comment t'as trouvé ça? Ben, on s'y attendait un peu. Tu t'en rappelles la dernière fois, suite aux propos de McDermott et Rampe, là, rappelez-vous, là, ça a été dans les trois matchs. Là, une mise en échec de Rampe sur Nathan Bastian. Au deuxième match, ça a été une mise en échec, un coup dans le fait à la tête de Jonas Siegenthaler. Puis là, après, ça a été le fait qu'il ne voulait pas se battre contre Curtis McDermott. Il y a eu les bye-bye. Fait qu'on l'attendait, ce dernier match entre les deux équipes. Puis, ben, en gros, Georges, moi, je te demanderais plus la question, tu sais, est-ce que... Il y a beaucoup de gens qui disent, est-ce que ça aurait pu être évité?
Ben, ça n'aurait pas pu être évité parce que les deux entraîneurs ont convenu d'appliquer le code. Parce que quand il y a des joueurs qui se déplacent à la glace et que tu vois que c'est ce trio-là qui est là, ben, l'autre entraîneur va envoyer l'autre trio. T'sais, on aurait pu envoyer un trio différent, mais on a décidé d'y aller trio contre trio. C'est ça que ça a donné. Fait que Travis Green et Peter Laviolette, qui même eux en sont venus à une grande prise de bec, c'était annoncé que c'est ça que ça allait faire d'entrée mais, de jeu. Mais l'affaire là-dedans, là, puis on va parler tantôt du code, là, mais souvent, quand tu sais que quelque chose est inévitable, si tu veux éviter que les choses dégénèrent, t'es tout aussi bien régler ça en partant. Pour pas qu'il y ait des gestes disgracieux qui se produisent avant que ça arrive. C'était inévitable que McDermott devait venger son coéquipier puis se battre contre Rampage, c'est inévitable. Tu veux pas le faire en fin de shift, tu veux pas qu'il blesse quelqu'un d'autre, tu veux le faire en partant. Les mais refs, est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit comme ça, que tout le monde, le line... Non, je m'en attendais pas que ce soit pour tout le monde. Je pensais que c'était juste ces deux-là. Le fait que c'était tout le monde, c'est que les Devils... Gonzo, c'est parce que l'affaire, faut pas oublier, là, c'est que Rampage a quand même blessé un joueur, il a été suspendu. Ouais. Là. Puis je sais pas si tu te souviens, la dernière fois, parlant de code, qu'est-ce qui s'est passé, puis c'est quand, Gonzo, la dernière fois qu'un joueur a blessé des joueurs, puis qu'une équipe au complet a répondu, c'était quand? De mémoire, c'était pas Tom Wilson, les Caps et les Rangers. Exactement. Tom Wilson qui a blessé Panarin, puis il y a deux joueurs étoiles. Puis qu'est-ce qui est arrivé le match d'après? Presque tous les joueurs se sont battus en réponse pour montrer que même si on n'avait pas d'homme fort, on allait répondre par rapport à ça. Là, c'est un trio complet qui a répondu pour montrer qu'on ne va pas se laisser intimider par un gars qui va venir nous blesser. Puis c'est de là le code. Où est-ce qu'on savait que quelque chose allait arriver? Puis ce match-là était... T'sais, tout le monde voulait voir les conséquences qu'elle arrivait. Puis j'ai même parlé à Rampage après le match. Du match. Puis il disait comme quoi que c'était excitant. C'était comment que la foule était gonflée à bloc. Comment que c'était. Puis il s'attendait pas que ça allait être aussi gros et tout ça. Fait que. Non, Gonzo, je te dis, c'est énorme. Mais t'as vu hier, Curtis McDermott, après la rencontre également, a rendu hommage à Rampage. Après l'avoir vraiment, tu sais, presque insulté la dernière fois en disant, tu sais, c'est pas comme ça que ça marche dans la Ligue nationale de hockey, tu peux pas faire ça. Là, hier, il a dit, ben regarde, le kid, finalement, il a répondu. Le kid a répondu, il a fait face à la musique, il l'a fait. Tu sais, je veux dire, il y a eu un discours complètement différent de celui qu'il avait la dernière fois. Le kid Gonzo, il a 21 ans, il faut pas oublier. 21 ans. Puis juste que les gens comprennent, là, le code, ça sert à éteindre le feu. Exactement ça. Tu sais, tu réponds, tu fais face à la musique, on passe à autre chose, on oublie le coup que t'as fait, c'est correct, t'as fait face à la musique, puis c'est ça le code. Ouais, mais attends, je comprends, oui, mais avec tout ce qui est arrivé dans l'historique entre les deux joueurs, ça m'étonnerait pas. Là, ils s'affrontent pas cette année, mais ça veut pas dire qu'il y a pas encore l'année prochaine des combats entre les deux gars. Gonzo, c'est fini. Jamais ils sont là. Gonzo, le code, quand il se passe un geste disgracieux, c'est terminé. S'il arrive de quoi dans le futur, ça ne sera pas en raison de ce qui est arrivé là. Non. Mais tu sais, là, c'est en réponse de ce qui est arrivé au dernier match par rapport à ça. T'sais, on ferme ce chapitre, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un autre chapitre. Je vais donner un exemple, OK? Mackenzie Weegar, quand il s'est battu contre Paul Byron, OK? Ouais. C'était une fois. Byron l'avait blessé. Byron avait été suspendu. Puis le match d'après, il savait qu'il devait répondre de code, puis il est allé avec. Il n'aurait jamais dû y aller. Je comprends, puis c'est facile à dire après, mais c'est juste, je sais. C'est juste que Gonzo, il est allé à la Rocky, il est allé open. Et quand j'ai parlé à Barron, j'ai dit, pourquoi tu t'es pas juste agrippé après? Pourquoi tu t'es battu open de même avec? Il dit, je sais pas, je sais pas comment me battre, puis je sais pas trop ce que je faisais. George, attends un peu. Quelqu'un qui sait pas se battre, là, qui s'est jamais battu, puis que finalement il droppe les gants, il sera pas conscient de la... Tu sais, ça se passe tellement vite, l'adrénaline, ça, il sera pas conscient de sa défensive. Il va être super ouvert, il va juste essayer de soigner, puis il va s'exposer. C'est pour ça que je dis à tous les joueurs juniors, Gonzo, Ligue américaine, Ligue nationale, ça, si ça veut pas vous battre, demandez à quelqu'un qui vous montre comment vous défendre. Pas comment vous battre pour être un heavyweight, mais il y a des façons de savoir comment se défendre pour, par exemple, si pas quelqu'un qui est comme moi. Moi, c'est ce que je fais. Pour aider les joueurs gratuitement, c'est ce que je leur montre. Puis il n'y a pas juste moi qui le fais. Mais j'étais quand même un des meilleurs dans ce domaine-là. Puis je peux donner des trucs que bien des gens ne savent pas. Il faut savoir comment se défendre parce que tu ne sais jamais à un moment donné s'il va arriver quelque chose dans le feu de l'action que tu vas acheter les gants. Si ton coéquipier, Gonzo, tu fais geler de dos puis tu es le plus proche, il faut que tu sautes dans le tas. Il va peut-être falloir que tu jettes les gants. Tu ne peux pas toujours t'attendre à quelqu'un d'autre le fasse pour toi.
Moi, hier, ce que j'ai trouvé fou, puis il faudrait que je regarde la reprise, je me rappelle pas ce qui est arrivé, mais je sais pas si tu as vu. C'est le joueur de centre, c'est qui était là, sa mise en jeu initiale? C'est le joueur de centre des Rangers qui était parti après quelqu'un d'autre. Fait que le joueur des centres des Devils est comme resté en voulant dire OK, moi j'ai personne. Il y a eu une permutation, ça n'a pas été position contre position hier dans le combat, mais ça a dégénéré assez rapidement. Puis tu sais, il y a eu deux combats qui ont explosé peut-être un peu plus tardivement là, que celui de Rampy et de McDermott. Ouais. Mais hier, au total, là, c'est 10 pénalités de combat, c'est 8 expulsions. 130 minutes de punition, on parle de ça après 2 secondes en ouverture de match. Puis au total, c'est 166 minutes de punition dans le match. Puis après le match, on parlait-tu du fait que les Rangers ont gagné ou on parlait de ce combat-là, de ces combats-là? On parlait du règlement de compte. Là, Gonzo, avoue que la question d'aujourd'hui, elle tombe tellement à point. Avoue que ça tombe à point là, par rapport à tout ce qu'on parle. Moi, j'ai vraiment hâte. Je suis très curieux d'aller au téléphone plus tard pour savoir ce que les gens en pensent. Parce que là, on vous le dit, là on parle pas juste du code dans le hockey. On vous parle, qu'est-ce que vous pensez du code dans le monde du sport? On en a parlé beaucoup avant dans le hockey, mais parlant dans le monde du sport, OK? Dans le hockey, je vous l'ai dit souvent, OK? Par rapport à un geste disgracieux que tu vas faire, le match d'après, tu vas devoir répondre. Si tu blesses quelqu'un, le match d'après, il va falloir que tu pognes contre... Si tu es un heavyweight, contre un heavyweight, ou contre un gars à peu près de ta taille, à peu près de ta grosseur. Faut que tu répondes de tes actes au hockey si tu fais ça. Si tu fais des choses comme le gardien de but, si un gardien de but va geler un joueur adverse avec un coup de poing, ça se peut que l'autre gardien y aille de l'autre côté pour répondre. D'ailleurs, Shesterkin a mis son gant à terre dans le match parce que même pour montrer à l'autre gardien qu'il était prêt. Mais dans le hockey, je pense que vous le connaissez assez, le code, là. Mais là, ce que je veux qu'on fasse... Mais attends, je te pose une question avant qu'on passe ailleurs dans le monde du sport, OK? Vas-y. Dans le code du hockey... Est-ce qu'il y a un élément, toi, que tu te trouves un peu, pas ridicule, mais absurde, ou quelque chose qui te dit, peut-être que tu pensais que ça allait être éliminé. Mettons, à part le code là, des bagarres et des coups et tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort pour toi dans le code global du hockey? Non, Gonzo, pour vrai, non, il n'y en a pas. Parce que non? Je trouve que le hockey est vraiment bien fait dans ça, que tu vis par l'épée, tu meurs avec l'épée, puis les gars sont assez conscients que si tu commets une erreur comme ça, tu vas devoir faire face à la musique. Puis si tu veux le respect de tes pairs et de tes adversaires, tu dois faire face à la musique si tu dépasses la ligne. Mais là, on en a assez parlé du hockey, puis je t'écœurerais même d'en parler parce qu'on dirait que ça fait 10 ans que je suis en radio, ça fait 10 ans que je parle du code au hockey. Juste pour que les gens répondent à cette question-là avant de commencer à chialer par rapport au code, parce qu'il y a beaucoup de vierges offensées en ce moment qui nous écoutent, puis qui capotent, puis qui sont frustrés, puis hors de chialer. Gonzo, non, mais attends, peux-tu nous parler? Je veux juste te dire quelque chose. Je veux dire de quoi, OK? Vas-y. Pour le code, là, mettons, pour répondre, juste pour compléter sur ce que tu as dit au hockey, moi, il y a quelque chose qui, je trouve, qui est plus présent que, par exemple, à ton époque. OK, vas-y. Je veux savoir si dès qu'on a une mise en échec maintenant... Il y a un combat qui éclate. Mais, okay. Avant, il n'y avait pas autant de combats automatiques suite à une mise en échec. Des fois, c'est des mises en échec légales. Je sais, mais dès qu'il y a une mise en échec, bang, il y a le combat de suite après. Gazo, ça, c'est parce que le hockey a changé. Les mises en échec percutantes, il n'y en a plus aujourd'hui. Il n'y en a plus. Quand il y en a, c'est tellement hors de l'ordinaire que tu es comme obligé de répondre parce que c'est comme un manque de respect de geler un coéquipier de ta sorte comme ça. Dans le temps, Gonzo, c'est parce que l'affaire, c'est qu'il y a des différents niveaux. Dans le temps, il fallait pratiquement que tu arraches la tête à quelqu'un pour devoir répondre à un code. Regarde Scott Stevens, puis il n'y a pas juste lui, Kasperidis, puis je t'en ai plein des joueurs qui frappaient comme ça à chaque chiffre. On se battait pas après, là. Mais c'est juste que là, aujourd'hui, on enlève plus en plus le jeu physique, puis on veut même plus que des mises en échec comme ça, Gonzo, de toute façon. C'est pour ça que quand il y en a une, tout le monde est comme « Oh my God, faut que tu jettes les gants. » Parce que le hockey a changé. Puis là, si t'es trop physique, faut que tu payes pas. Mais je comprends souvent, ce que c'est tu c'est des mises dire. En échec légales. Le gars, la rondelle, les patins restent à la glace. Oui, je sais, mais Gonzo, c'est des mises en échec légales qui défoncent le joueur pareil. Puis si, tu sais, McDavid, Gonzo, s'il se fait geler de même au centre de la glace, tout le monde saute, là. Ah ouais. Mais Gonzo, assez avec le hockey. Okay. Là, pour une des premières fois, on parle à une ancienne légende de la balle au baseball. Ouais, lanceur en plus. T'es drôle, toi, une légende. Gonzo, tu faisais le balle papillon, tu faisais toutes les tirs, les sortes de lancers ben qui non. existaient. Même la balle fourchette de Venezuela, t'es capable de la faire. Gonzo,
parle-nous en détail, puis donne-nous plein d'exemples du code dans le baseball. Ah, ben les gens le connaissent, le code au baseball. Mais vas-y, mais pour les gens qui ne savent pas, donne-nous des exemples. Ben, c'est vrai qu'on entend, puis majoritairement, on en parle ici en raison du hockey, mais je veux dire, faut pas se mettre la tête dans le sable. Le code existe dans la majorité des sports, puis c'est là où ça devient intéressant avec vous aussi aujourd'hui, quand on va vous demander qu'est-ce que vous pensez du code dans le sport en général. Peut-être qu'il y en a qui voudront nous appeler pour nous parler d'un code quelconque avec lequel vous n'êtes pas d'accord au soccer ou autre. Au baseball, tu le sais, Georges, on en a souvent parlé même à l'émission, c'est un sport bizarre, le baseball, avec le code, tu sais. Le lanceur est souvent celui qui est à l'origine de tout ça parce que c'est lui qui a le contrôle sur la balle. Donc, des lancers à l'intérieur, des lancers sur le frappeur, des lancers, des messages lancés avec des lancers trop proches de la tête, ça arrive un peu partout au baseball. De un, ça peut être pour plein de raisons, tu sais, par où commencer. Donne des exemples flagrants. Que c'est un must que le lanceur doit biner le frappeur. Donne des exemples flagrants. Un bat flip. Ça peut être une glissade trop prononcée sur les sentiers. Mettons, t'as spiké quelqu'un au deuxième but. Ça peut être aussi niaiseux que de demander un temps d'arrêt à l'arbitre pour sortir de la boîte pendant que ton lanceur est en train de faire un lancer. T'es déjà dans ta motion, le frappeur le sait, ben, il a vu que tu regardais pas, demande un temps d'arrêt, l'arbitre le donne, pitch d'après, bang, tu le frappes. Le baseball, c'est rempli d'affaires comme ça. Le pointage, l'écart. Si tu gagnes par trop de points au baseball puis que tu étires un simple en double ou que tu étires un double en triple ou que tu voles un but, prochaine fois que tu vas au bâton, c'est sûr que tu te fais biner. Il y a plein de petites particularités comme ça. Est-ce que ça a encore son lieu d'être en 2024? Il y en a qui vont dire le sport est dinosaure parce qu'au hockey, encore ces codes-là. Puis au baseball, on n'avance pas. Veux-tu que je t'en donne une qui n'est pas pire au hockey? Qu'il y a beaucoup de coachs qui font. Puis, dans la Ligue nationale, ça arrive moins souvent, mais dans d'autres ligues, ça arrive souvent. Supposons que ton équipe gagne 7-1, puis il reste une minute, tu calls le time-out. Puis, tu es en avantage numérique, tu vas mettre tes meilleurs joueurs. Sais-tu qu'est-ce qui arrive si tu fais ça? Tes joueurs vont se faire bûcher. Puis, il y a une échafaudée, puis peut-être une bagarre qui va arriver. Mais il y a des coachs qui font exprès, qui font ça. Non, mais c'est arrivé dernièrement, je me rappelle pas c'est quoi. Qui veulent humilier l'adversaire. Je pense que c'était Toronto qui a envoyé sa première vague en avantage numérique, puis il gagnait genre 6-1 ou quelque chose du genre en fin de match. Puis je veux pas dire que c'est Toronto, mais je me rappelle pas à 100%, mais le coach après, mettons, Sheldon Keefe, il disait « J'avais besoin de répétition pour ma première vague en avantage numérique parce qu'il avait pas vu beaucoup la glace ce soir-là. » Mais tu vois... C'est-tu vrai, Gonzo, que quelqu'un vient d'écrire ça, Giorgio? Non, pas Giorgio. Danny Leblanc, il dit que si tu fais un circuit... puis tu cours trop longtemps au début. Ben oui. Ça, c'est vrai? Ben oui, voyons donc. Si tu fais ça au baseball, c'est comme narguer l'adversaire. C'est comme le bat flip. Puis c'est sûr que tu te fais biner le prochain lancer? Ben oui, tu te fais biner. Et ça, c'est fascinant, pareil. C'est fascinant. Parce que... Il y en a plein comme ça. Mais Gazo, peux-tu m'expliquer une chose, par contre? Là, je sais qu'il y en a plein, mais explique-moi une chose, OK? Comment ça? Okay, oui, il y a un code au baseball, mais quand les gars se battent, peux-tu m'expliquer pourquoi que c'est pas un coup de poing qu'il donne au lieu de lancer à mythe? Ah, lancer une mythe sur quelqu'un, ça fait pas mal. Puis après ça, ça vient avec des taloches. Ils savent pas frapper. Ben, je peux-tu te dire quelque chose? Déjà là, la dynamique d'une bagarre au baseball, c'est spécial. Quand t'as un lanceur qui attend, puis que t'as un gars qui te charge en courant, la plupart du temps, le lanceur va juste se tasser, puis il va le laisser passer, puis il va tomber à terre, tu sais. Comme Pedro Martinez avait fait avec... Comment il s'appelle le gars, là? Avec le coach Don Zimmer, ouais. Ouais. Don Zimmer, mais pour vrai, non, mais tu sais, t'es-tu déjà battu avec quelqu'un, toi, où tu pars en courant sur 60 pieds, 6 pouces pour aller chercher le gars? C'est un peu spécial comme attaque, là, non? J'ai jamais fait ça. J'ai jamais couru après quelqu'un pour me battre avec. Puis, probablement, je me suis juste battu sur la glace en passant. Sur la glace, j'attends. Mais c'est ça, c'est ridicule. Courir 60 pieds. Là, tu arrives devant la personne, tu fais quoi? Mettons, tu y vas avec un kick. C'est tough de pouvoir courir 60 pieds et de nailer le coup de poing que tu veux lancer. Non, t'as raison dans le fond. T'arrives, le lanceur t'attend, t'arrives plein de vitesse. Moi, pour vrai, si je reste sur place, quelqu'un court vers moi pour aller se battre avec moi, j'attends qu'il arrive, puis après ça, je le gèle, puis il tombe à terre, puis c'est fini. Non,
non, mais le but de l'exercice, c'est ah ouais, élance-toi, je vais me tasser, je vais te pousser à terre, puis je te saute dessus. Tu fais une jambette, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire la cigogne même. C'est spécial. Tu sais, des bagarres au baseball. Moi, je joue au baseball toute ma vie. Puis on en a eu des bagarres. Des fois, les bancs se vidaient, là, même au niveau mineur. Là, puis, tu sais, ça, c'est les expulsions étaient pas mal plus nombreuses. Mais, tu sais, c'est du festival de retiens-moi. Si je t'ai pas retenu, si, puis si je t'ai pas retenu, ça. Il n'y a pas beaucoup de coups de poing qui se donnent au baseball. Là, ouais, les gens disent Georges Saint-Pierre, Superman, 60 pieds punch. Hey, ouais, un Superman punch sur 60 pieds. Ce serait assez fou, hein, quand même. Puis tu sais, on s'entend, tu sais, que dans le baseball, dans plein d'autres sports, le code, il y en a plein, mais tu sais, juste rapidement, là, Gonzo, si je te demande, là, puis là, je suis content que tu aies parlé de tous ces acteurs-là au baseball. Est-ce que, Gonzo, qu'est-ce que tu penses du code dans le monde du sport, dans tous les sports en général? Parce qu'on a parlé du soccer, du football américain, dans tous les sports, il y en a, là. Il y a des exemples qu'on aurait pu donner, on a fait le hockey, baseball, mais qu'est-ce que tu penses, le fait que, Gonzo, tous les sports professionnels ont leur propre code? C'est quoi ton opinion, toi, par rapport à ça? Honnêtement, je suis pas surpris que ça existe encore. Je me serais attendu à ce que ça puisse évoluer un peu plus sur différentes facettes selon le sport, mais moi, je vais peut-être en surprendre plusieurs. Je vois pas l'époque où le code va prendre le bord. Bravo, dans le sport. Dans un sport d'équipe comme ça, bravo, c'est ancré tellement profondément. Puis je parle pas de hockey, là, je parle du sport en général. Je suis pas en train de dire que j'approuve le code au complet, mais je le connais assez pour comprendre que ça va malheureusement rester. Gonzo, tu me prouves que tu n'as pas besoin d'être un athlète professionnel pour comprendre que le code, ça fait partie du sport, puis c'est là pour exister, que vous aimez pas ça, je t'en massacre. Mais en même temps, je veux te dire, la raison pour laquelle je pense aujourd'hui aussi, c'est parce que j'ai joué au baseball toute ma vie, parce que je l'ai vécu aussi en jouant un sport d'équipe. Exact. Puis combien de joueurs t'as biné, Gonzo, par le code, à peu près? Quelques-uns. Exact. Quelques-uns. Puis combien de fois tu t'es fait courir après? Juste une fois, par exemple, au chalet. Combien de fois t'as piché ta mythe? Une fois, that's it. Mais j'ai souvent les bancs sont vidés, mais c'était pas moi qui lançais. Combien de fois t'as fait des Lindor à la Batistuta? Veux-tu que je t'en dise un autre aussi que je faisais souvent? Moi, je jouais au premier but. Ouais. Quand le lanceur lançait la balle au premier but, si mon tag de premier but était trop fort sur le joueur, il y en avait qui n'aimaient pas ça. Puis des fois, je le faisais quand les gars revenaient en plongeant. Des fois, je faisais exprès pour envoyer un petit peu de sable dans leur face. Puis là, ils n'aimaient pas ça. Puis là, après, ça commençait. Vic, ça jasait. Vic, cet été, là, dis-moi une couple de choses que je pourrais essayer sur les gens. OK? Non, reste tranquille. Dans les ligues de balle molle comme ça. Mais même dans les ligues de balle molle, ça arrive. Hein? Ça arrive. Pour vrai, les esprits, c'est chaud. Si je me fais biner cet été... Te faire biner dans une ligue de balle molle, ça arrive pas. Mais je te parle de par exemple, certains jeux sur les sentiers, certaines prises de bec. Moi, c'est arrivé souvent dans les ligues là, comme ça. Gonzo, c'est toi qui me tiens au courant avec le code. S'il arrive de quoi, il faut que j'intervienne, tu me le dis. Bon, je pense qu'avec toi dans l'équipe, ça va rester assez tranquille. Tu m'as déjà fait intervenir avec les quatre chevaliers. S'il faut que je le fasse encore, Gonzo, tu me le dis. Voilà la pause, c'est intéressant. Hey, pour être... Il y a plein de monde sur le message. On a hâte de vous parler du code, puis surtout de savoir ce que vous pensez de tout ça. Là. Ouais. Ce qui est arrivé hier avec les Devils et les Rangers, ça va être intéressant de savoir là, où vous situez où à travers tout ça, selon le sport. On fait une courte pause. Au retour, il est avec nous, David Etegui. Vous nous remercierez à la fin du show. Votre après-midi à la job passe beaucoup plus vite grâce à Georges et Gonzo. Et on n'arrête jamais. Dès 15h, c'est le retour des sportifs avec Martin Lemay, Mathias Brunet, Bob Hartley et les experts du Choc des idées. BPM Sport, le meilleur plan de match radio du printemps à Montréal. Les gars, l'hiver a été dur. Là, vous allez informer et divertir nos auditeurs avec passion. Ta journée de sport sur 4 quarts. Dès 6h, notre kick-off. Le club du matin avec Max Lalonde, Gilbert Delorme, Anthony Desaulniers et Alexandre Langteau. Dès 10h, place au deuxième quart. Avec Max Vanhoute en direct. Du sport full contact. Pendant 120 minutes. Animateurs et auditeurs, on est tous dans la même équipe. Vous allez les divertir! OK! Gonzo! Yes, sir, coach! George, envoyez sur le terrain! OK, coach!
dès midi. Un troisième quart qui brasse. Georges Larac, Stéphane Gonzalez, Benoît Roger et leur armée d'auditeurs. Avec Tony Marinaro aux unités spéciales. Le plus gros show de la mi-temps à Montréal. Et à 14h54, le dernier quart. Martin Lemay, Mathias Brunet, Bob Hartley et les experts du Choc des idées dirigent l'attaque de ton retour à la maison. Les gars, ça c'est BPM Sport. L'équipe gagnante à toute heure de la journée pour soulever le grand trophée. Il n'y a rien comme réussir à faire un 7 de plus. XPN t'aide à repousser tes limites et atteindre tes objectifs avec sa gamme complète de suppléments alimentaires. Prêt à tout donner? Nous aussi. Des suppléments de qualité faits au Québec depuis 2003. XPNworld.com. Flore Déco. Allô? Oh wow, tes planchers! Ça vient de chez Flore Déco. Le dosseret, la céramique. On est super contents. Vous avez dû travailler fort. Même pas, ça a été simple, simple, simple. De l'inspiration jusqu'à l'installation. Wow! Floredeco.ca. Personne n'aime parler de ses problèmes financiers à voix haute. Mais chez Mallette, pas besoin de garder ça secret. Il n'y a pas de gêne à avoir quand on parle de solutions financières. Consultez le LLTT.ca pour prendre rendez-vous sans frais. Pour vos problèmes financiers, pensez à Mallette. Syndic autorisé en insolvabilité. Et le prix est décerné à BMO! Merci à J.D. Power pour cet honneur. Avoir la meilleure note parmi les 5 grandes banques en matière de satisfaction à la clientèle pour nos services bancaires aux particuliers, c'est incroyable. Puis bien sûr, tout ça serait pas possible sans les millions de clients BMO au Québec et à travers le pays. Merci à Sophie de Montréal, Kumar de Saskatoon. Pour en savoir plus sur les prix J.D. Power 2023, visitez canada.jdpower.com. The Red Deer Karim de Gaspé. La commission athlétique présente Going to Las Vegas. Washington D.C. Les visiteurs, le podcast Los Angeles, California. Welcome to LA. Avec Greg Lanctot. Si vous êtes comme moi et que vous tripez sur les voyages sportifs, vous voulez voir tous les stades, tout savoir sur les villes, les destinations sportives, ben je vous invite à embarquer avec moi dans Les Visiteurs, un podcast rendu possible grâce à billets.ca. Soyez là! Partisans du Rocket, nous avons besoin de vous plus que jamais. Alors qu'il reste moins d'un mois à la saison, l'équipe est en pleine course aux séries. Chaque match est crucial et l'émotion est à son sommet. Venez encourager le Rocket dans cette fin de saison qui s'annonce excitante. Faites vite, très peu de billets sont encore disponibles. Pour plus de détails, visitez le rocketlaval.com. Rocketlaval.com. Difficile de savoir si vous achetez la bonne voiture au bon prix? Pas avec CarGuru, qui vous donne accès à une vaste sélection d'évaluations et d'avis impartiaux sur les concessionnaires, afin que vous puissiez faire le bon choix. Commencez votre recherche sur CarGuru.ca ou téléchargez l'application CarGuru. Depuis 15 ans, Beleza dédie son expertise à la beauté. Notre dévouement se reflète dans nos divers soins offerts dans une ambiance inégalée. Célébrons ensemble cet héritage de beauté et d'excellence et prenez rendez-vous avec nous au institutbeleza.com. Vous travaillez dans le domaine de la toiture et vous êtes à la recherche d'un service de pliage de métal en feuille pour votre toiture plate, résidentielle ou commerciale? Sima Premium est votre allié, peu importe le projet. Vous avez un puits de lumière sur votre projet à changer? Sima Premium vous le fabrique en 24 heures seulement. Soyez certain d'avoir tous les outils en main parce qu'ils offrent la livraison sur le chantier. Sima Premium à deux pas du pont Mercier au 623 avenue Lafleur à La Salle. Plus d'infos sur leur page Facebook. Le 11 avril prochain auront lieu les portes ouvertes à la résidence Les Habitations Pelletier. Soyez l'un des 20 premiers visiteurs et obtenez une carte cadeau surprise de 25 $. Certaines conditions s'appliquent. Renseignez-vous au horizonresidence.com. Fans de football, ne manquez pas le Playbook propulsé par Bet99.net sur les ondes de BPM Sport. Samedi 9h et dimanche midi, Greg Lanctot, Olivier Primo et Jean-Charles Lajoie commenteront l'actualité du football américain. Avant vos prochains paris, écoutez les experts passer à travers les cotes et différents marchés qui vous aideront à prendre les meilleures décisions possibles. Le Playbook, propulsé par Bet99.net, le guide ultime en matière de paris sportifs. Jouez responsablement et intelligemment. BPM Sport, c'est aussi la commission athlétique.
la boîte de production numérique qui repêche les meilleurs podcasts de sport au Québec. Tapez Commission Athlétique sur toutes les plateformes de balado ou sur bpmsport.ca. Upgrade ton expérience BPM Sport avec notre nouvelle diffusion vidéo en direct, tout le temps. Larac, Gonzalez, sur YouTube et Facebook Live. Bon, on va faire David à 1h40. On va faire notre petit bloc LNH avant. Fait que pour donner à David une couple de minutes avant, c'est de ma faute, j'avais pas envoyé les questions à David. Donc, on va faire le bloc d'après. Mais Gonzo, juste avant de parler de notre petit bloc LNH, Yann Laperrière, que vous connaissez très bien, un ancien joueur national qui coach dans le club école des Flyers de Philadelphie, prochain coach des Flyers après que Tortorella se fasse mettre dehors. Bon, Gonzo, il écrit par message texte, Gonzo change son fusil d'épaule par rapport au code, parce que Yann Laperrière nous a déjà entendu, moi et Gonzo, avoir un débat sur le code de l'hockey, puis Gonzo était contre ça, puis on a débattu par rapport à ça. J'étais pas contre puis ça, là, genre. Vous avez entendu que j'ai donné une ovation debout, j'applaudissais pendant que Gonzo, finalement, comprenait le code dans le monde du sport. J'étais en train de l'applaudir. Non. De un, j'ai pas changé mon fusil d'épaule. Je me rappelle, à l'époque, on avait parlé du code, puis je disais que sur certains aspects, j'étais étonné de voir que ça avait pas évolué, que tous les éléments du code étaient restés. Mais après, oui, ce que je t'ai dit avant la pause, puis je le pense vraiment, je pense que le code est là pour rester dans les différents sports parce que c'est ancré, c'est là. Il y a une différence entre penser que ça va rester puis être totalement en accord avec tout ce qui se passe. Est-ce que je suis d'accord avec ce qui s'est passé hier dans la Ligue nationale de hockey? C'était-tu évitable? Peut-être, mais pas avec tout ce qu'on connaît et ce qu'on sait sur le hockey. Je veux dire, c'était sûr que ça allait arriver avec tout Gonzo, ce qui est arrivé puis le build-up dans toute la série entre les Rangers et les Devils. Gonzo, si le code est bon pour le baseball, comme tu l'as si bien expliqué, pourquoi il serait pas bon pour le hockey? Je t'ai pas dit qu'il était pas bon. Puis en plus, quel sport qui est plus gros, le baseball ou le hockey? Ça dépend où? Mais Gonzo, dans le monde, quel sport qui est plus gros, le baseball ou le hockey? Quel code est plus dommageable? Gonzo... Ben, Gonzo, quelqu'un puis déménage. Je suis désolé, mais une balle à 100 000 à l'heure, tu bines un frappeur, là, tu peux tuer quelqu'un quand tu lances à la tête à quelqu'un. Si tu lances sur la tête. Ben, Gonzo, même sur le corps, tu peux casser les côtes, tu peux. C'est Gonzo, une balle rapide. Non, mais on va pas commencer à y aller baseball contre. Non, mais c'est tout ce moment-là, qu'est-ce qui est plus dommageable? Ben, moi, je pense que le hockey est plus dommageable, mais après. Gonzo, bimer un frappeur qu'une balle versus un combat? Non, mais c'est très dangereux. Oui, tu vas avoir un bleu. Un bleu? Ben oui, c'est pas... Gonzo, une balle, ça fait... Le lanceur sait où il lance. C'est très rare qu'un lanceur va frapper Gonzo, la tête d'un frappeur. Je connais aucun bagarreur ou ancien barreur de la Ligue nationale qui frappe aussi fort qu'une balle rapide. Qui a frappé quelqu'un aussi fort qu'une balle rapide est arrivé, j'en connais pas. La différence, je voulais appuyer sur le fait qu'un combat au hockey sur patin est possiblement plus dommageable que de recevoir une balle au baseball. Mais c'est mon opinion, ouais. Après. Ça se peut que toi, tu trouves que ce soit différent, parce que tu t'es battu aussi au hockey. Puis... Mais non, mais Gonzo... Par connaissance de cause, tu sais que ça peut être dangereux, un combat au hockey. Gonzo, je ne dis pas que je compte les combats totalement, c'est pas ça qu'on dit non plus. Là. Hey, puis combien de commotions que des joueurs... Si on check le nombre de commotions qu'il y a eu d'une balle de baseball à la tête, dans l'histoire de la MLB versus... Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup des balles à la tête, George. Ah, oh, mais Gonzo, ça arrive des accidents. Pas juste par code, mais à chaque année, ça arrive, Big. Ça arrive, c'est relativement rare. Pourquoi tu penses qu'il doit avoir un casque? Oui, mais attends. Pour vrai, dans une saison de balles, ça arrive peut-être quoi? Une fois, deux fois dans une saison? Des doigts cassés, juste en tenant le bâton. La balle qui frappe les doigts. Ça, c'est... Oh oui, ça, les doigts cassés, ça arrive. Des fois, ça va frapper. Puis des fois, c'est même pas. C'est juste un lancer à l'intérieur. Hey, Gonzo, je sais même pas si quelqu'un me lancerait une balle à 100 000 à l'heure. Je sais même pas si je pourrais me tasser s'il lancerait à l'intérieur. J'aurais même pas le temps de bouger. Je pourrais même pas faire un bunt tellement que ça arrive vite. En fait, d'après moi, si tu avais un lancer à l'intérieur, tu t'élancerais. Puis tu aurais peut-être la chance de frapper avec tes doigts. Hey boy. Parce que si tu n'ouvres pas les hanches pour ouvrir, t'es un petit peu pogné. Non, je frappe juste avec les bras en plus. Mais moi, je ferai un bunt. Je veux passer en position bunt, puis that's it. Hey, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Si t'es un lanceur, puis t'es un gars comme moi qui se place déjà en position bunt, qu'est-ce que tu fais? Ben, la défensive se met à bouger. Là. Non, mais toi, c'est quoi le lancer que tu fais?
Ah, moi, je veux dire, ça dépend de la situation. Y a-tu du monde ses buts? Il y a combien de retraits? Il y a plein de facteurs là, au baseball. C'est quoi le score? Mais tu peux. Ah, écoute, ça dépend de plein d'affaires. Si c'est une surprise comme ça puis que la défensive n'est pas prête, peut-être que le lanceur va essayer d'y aller d'une balle un peu plus haute ou. Puis ça dépend si le receveur aussi est là, mais souvent la défensive va bouger. T'sais. Le troisième but, le premier but vont tout de suite commencer à courir vers le marbre. J'aime ça. À t'entendre, Gonzo, demain, je me demande quasiment pourquoi t'es pas notre lanceur dans la ligue de base cet été. Mais non, c'est pas le fun de lancer dans une ligue 3-6. Là. Non, mais c'est pas vraiment 3-6. T'as dit, c'est lanceur par en dessous un petit peu plus fort, t'as dit. Oui, oui, mais non, moi j'ai le goût d'être sur le terrain, attraper des balles un peu. Là. Okay. Toi aussi, là, tu vas attraper des balles. Là. À moins que tu sois prêt à te former en lanceur, si tu veux. Moi, ce que j'aimerais, pour vrai, c'est juste aller frapper. Bon, mais ça n'existe pas à balle molle, ça. C'est quoi le titre hein, au baseball? Frappeur désigné, ouais. Ouais, je peux pas être ça, un Ortiz? Ben, tu pourrais. Là. Mettons, il faudrait qu'on soit 11. Parce que tu sais que si on joue à 10, on a le droit à 3 filles sur le terrain. Si on joue à 11, ben, on frappe à 11, mais il y a juste 10 personnes en défensive. Ça me dérange pas. Ça, on fait ça. Non, mais c'est plate. Quand tu joues à 11, tu frappes moins souvent aussi que si tu joues à 9 ou à 10. Ah, oh, OK. Tu comprends? Tu ne vas pas souvent là, frapper. Non, mais ça, je savais pas ça. Hey, avant d'aller à David, un petit mot quand même sur ce soir, un match super important. Puis il y en a des matchs importants ce soir-là. Mais la rencontre entre les Penguins de Pittsburgh et les Capitals de Washington, un classique Ovechkin contre Crosby. Les Caps ont perdu leurs 3 derniers matchs. Je sais que tu en as parlé dans ton segment un peu plus tôt. Les Penguins qui s'invitent à nouveau dans la danse d'une place en série. Si les Penguins gagnent ce soir, Georges, ils sont de retour et pas à peu près. Les Gonzo, Islanders, même affaire. Il y a des équipes qui veulent plus perdre, il y a des équipes qui veulent plus gagner. Là. J'ai pris les Penguins, Gonzo. J'ai pris Crosby. Moi, je prends les Caps ce soir à la maison. Gonzo, est-ce que un enjeu? Il pourrait y avoir peut-être un petit enjeu. Pour un demain? Petit enjeu. Pour les Capitals sont à la maison, mais les Penguins sont fatigants dernièrement. Là. Ok, je te laisse nommer. Qu'est-ce que tu veux faire? Je te laisse nommer. Qu'est-ce qu'on pourrait y aller? Qu'est-ce qu'on faisait avant? On faisait... On peut faire de quoi de différent, de plus fun. Pas trop intense, si tu veux. Tu veux te faire une casquette? Tu portes pas de casquette. Je vais la donner. Ça donne rien. Je la donnerai à quelqu'un, je sais pas. OK, donne-moi quelque chose d'autre. OK, on y pense avant 3 heures, mais j'ai les Caps. T'as les Pingouins? Oui. Et on vous pose la question à la maison sur la messagerie texte. Le Capitals ou Pingouins ce soir, c'est à Washington. Un match super important. Il y en a d'autres, là, entre autres aussi. Les Blues, les Predators, les Bruins et les Hurricanes. Fait qu'on a du gros stock dans la Ligue nationale ce soir. Là, ça va à la pause. Et au retour, il est là. Il est prêt. On parle avec le devin David Etegui. À tout de suite. À la demande générale, BPM Sport et Billets.ca récidive avec le seul concours radio où vous êtes le héros. En fin de retour, le voyage sportif de rêve au soleil. Le sport de ton choix dans la ville de ton choix. Hockey, baseball, MLS, basketball ou football. Los Angeles, Miami, Las Vegas. Inscrivez-vous en tout temps dans la section concours du bpmsport.ca. Et écoutez tous les jours en semaine à 8h et 17h. Si Max Lalonde et Martin Lemay t'appellent, tu dois répondre seulement et rien d'autre. Billets.ca. 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 Grand gagnant le 22 avril. Billets.ca. BPM Sport et Billets.ca. Ensemble pour tous vos trips de sport. Billets.ca. N'arrêtez pas de jouer au hockey parce que l'hiver se termine. C'est le moment d'inscrire votre équipe pour l'été dans la Big Hockey League. Notre ligue de garage organisée pour vous offrir une expérience de jeu digne d'un pro au complexe JC Perrault situé à Saint-Roch de la Chigan. Pour plus d'infos, bighockeyleague.com. Vous êtes né pour l'aventure? La Forester 2024 de Subaru est faite pour vous. Sa fonction X-Mode optimise la traction et vous offre une confiance accrue sur tous les terrains. La Forester 2024 est votre partenaire d'aventure. Subaru, c'est nous. Tous ensemble pour le soccer Montréal. Le CF Montréal. La MLS est de retour à Montréal. Venez encourager le CF Montréal face au FC Cincinnati le samedi 13 avril dès 19h30 au Stade Saputo. Pour souligner le retour à la maison, des figurines Bubblehead à l'effigie du capitaine Samuel Piette seront remises aux 7500 premiers partisans arrivés. Faites vite! Billets disponibles en quantité limitée. Achetez dès maintenant sur cfmontréal.com. Allez Montréal!
préfère, c'est Garant. Que tu sois camionneur, soudeur, électricien, compagnon, charpentier, plombier, c'est chez Préfère que tu trouveras le plus vaste choix de vêtements, chaussures, équipements de sécurité et haute visibilité. Si tu as bel oeil, sortie 109 autoroute 20 ou préfère.ca. Préfère, équiper les travailleurs d'ici. Le 10 et le 11 août, paie-toi la traite et viens voir du baseball à Boston. Voyage en drone t'offre la fin de semaine parfaite. Transport en autocar de luxe. Hébergement au Four Points Sheraton Boston Newton. Match les Red Sox contre les Astros de Houston au Fenway Park. Et temps libre dans plusieurs endroits bien reconnus de la ville, comme le Quincy Market et le Freedom Trail. Une occasion parfaite de visiter la ville avec une personnalité sportive de la station. À partir de $485 pour une occupation double. Rendez-vous sur gendrontour.com pour les détails et pour d'autres offres de voyage. Vendredi à Télé-Québec. Il y en a combien à Sherbrooke, des maisons construites comme ça? Il y en a pas d'autres. André Robitaille vous fait découvrir l'histoire fascinante d'une ancienne école. C'était épeurant parce qu'on savait c'était quoi le projet qu'on attendait. Tu dis on savait, mais je pense que tu savais tout. Visiter une église anglicane à Harrington, transformée en havre douillet par ses propriétaires. Nous, on a envie d'y vivre, on la respecte, on veut qu'elle demeure le plus authentique possible. Ne manquez pas Bien bâti, la nouvelle émission où l'architecture nous dévoile notre histoire, vendredi 19h30 à Télé-Québec. Besoin de billets pour tous les meilleurs événements, sport, concerts et spectacles, c'est billets.ca. Large choix garanti. Votre billet d'entrée vers le divertissement de premier ordre. Billets.ca. Soyez là. Personne n'aime parler de ses problèmes financiers à voix haute. Mais chez Mallette, pas besoin de garder ça secret. Il n'y a pas de gêne à avoir quand on parle de solutions financières. Consultez le LLTT.ca pour prendre rendez-vous sans frais. Pour vos problèmes financiers, pensez à Mallette, syndic autorisé en insolvabilité. À quel moment doit-on s'occuper de son renouvellement hypothécaire? Afin de profiter du meilleur taux possible, on vous suggère environ 5 mois avant la date d'échéance. Trouvez votre courtier au hypoteca.ca. Votre hypothèque, on s'en occupe. Vioford à Saint-Rémy, c'est le concessionnaire numéro 1 de véhicules d'occasion certifiés Ford au Québec. Consultez notre inventaire allant du F-150 jusqu'au F-450. Plus que jamais, Vioford est LA référence dans le Grand Montréal. À seulement 10 minutes au sud du Pont-Mercier ou sur vioford.com. Un duel local fera vibrer les amateurs de boxe le 11 avril prochain, alors que les Québécois Éric Bazignan et Shaquille Finn s'affronteront en finale d'un gala présenté à guichet fermé par Eye of the Tiger au Casino de Montréal. Qui termine le travail! Une soirée qui s'annonce électrisante et qui mettra également en vedette Steve Claggett ainsi que Mary Spencer en direct en ligne au punchinggrace.com dès 19h. Un rendez-vous à ne pas manquer le jeudi 11 avril sur Punching Grace. Le 11 avril prochain auront lieu les portes ouvertes à la résidence L'Alto. Soyez l'un des 20 premiers visiteurs et obtenez une carte cadeau surprise de 25$. Certaines conditions s'appliquent. Renseignez-vous au horizonresidence.com. Au rythme de nos équipes sportives. La mise à jour quotidienne de tous les sports. De tous les plans de match. Et chaque après-midi dès 15h, c'est le retour des sportifs avec Martin Lemay. Larac Gonzalez est propulsé par Montréal Autoprix. Comme Georges, on va droit au but. Et toujours sans cachette, Montréal Autoprix, la grande adresse au petit prix sans frais cachés. Les enfants terribles de la radio sont de retour. Larac Gonzalez. De retour avec un de nos préférés, le devin David Taggi. Comment ça va, David? Comment ça va, Georges, Stéphane, les amis, ça va bien? Très bien. À chaque fois qu'on parle, ça va bien. En tout cas, moi, je suis content de pouvoir parler comme collaborateur dans la meilleure émission sport à la radio du Québec. Félicitations, les boys, hein, pour les résultats. Il fallait que je vous félicite pour tout un travail, les amis. C'est surtout grâce à toi, David. On t'en remercie. Merci, David. T'en fais partie. T'es une des très bonnes raisons pourquoi ça va bien. Beau travail, les amis, et merci aux auditeurs. Grâce à Dieu, Montag, grâce à Dieu. David, pour commencer, est-ce que selon toi, David, on a hâte de t'entendre sur plein de questions, à ce stade-ci de la saison, on dit bien à ce stade-ci de la saison, pas quand il reste 40 matchs, à ce stade-ci de la saison, est-ce que c'est mieux pour toi, David, de voir l'équipe gagner pour le développement des joueurs, comme on voit avec Slav et compagnie, ou pour toi, c'est mieux de les voir perdre pour la loterie? Ben, on en a parlé un peu brièvement la semaine dernière. J'ai dit comme quoi je veux voir les Canadiens repêchés dans les 7 premiers ou 7e dans le pire des scénarios. OK? Selon mon propre classement à moi, de ce que je vois des besoins des Canadiens à l'attaque,
des joueurs disponibles. La réalité, c'est que peut-être que la liste des Canadiens et la mienne, ce ne sont pas les mêmes listes. Ça, c'est de un. Mais à bien y penser, Georges, d'une manière ou d'une autre, avec 8 parties à jouer, je pense que le développement des joueurs y est déjà fait. On l'a vu dans la saison, la manière que les jeunes ont avancé. Le travail a déjà été fait. Donc, dans les 8 prochaines parties, dans un monde idéal, je préfère les voir perdre pour m'assurer d'avoir, exemple, le joueur que je pense qui est le meilleur pour l'équipe. Sauf que je me pose une autre question. C'est sûr que la manière qu'ils jouent, puis qu'on les a vus jouer contre le Colorado, ainsi de suite, gagner une partie contre Philadelphie, je me dis, oubliez le draft, là. Est-ce que l'équipe est en train de forcer la main à Jeff Gorton et à notre ami Hughes pour faire en sorte qu'ils n'ont pas le choix d'aller vraiment chercher un vrai joueur explosif cet été et de montrer aux propriétaires de l'équipe et à la haute gestion que c'est cet été que vous devez faire ce move-là? Est-ce que je suis en train de me dire ça vaut peut-être la peine? Les gens sont en train de parler de développement. Est-ce que c'est mieux qu'ils perdent par un but, qu'ils gagnent, qu'ils perdent, qu'ils répètent 7e au lieu de 8e, 6e au lieu de 7e? Mais je suis en train de me dire que la manière qu'ils sont en train de jouer là avec tout le dynamisme et ce qu'on est en train de voir, les joueurs donner du fil à retordre aux meilleures équipes dans le temps le plus difficile de l'année, je suis en train de me dire, là, ils sont en train de montrer qu'ils ont, c'est le temps là d'investir plutôt que dans une autre année. Donc, je pense que s'ils continuent à gagner comme ça, pour les amateurs des Canadiens, ça risque d'être plus excitant que prévu cet été. Parce que là, ils n'auront pas le choix de mettre le paquet pour ajouter le gros joueur, finalement, qui manque. Et ils auront confiance de le faire parce qu'ils ont, ils sont rendus là dans le développement. Et si jamais ils perdent, ben là, ils perdront. Ils pourront peut-être aller chercher un joueur aussi, c'est possible. Et ils auront peut-être un meilleur joueur au niveau du repêchage. Donc, je pense que on en est là, Georges. Très intéressant de voir, on a déjà parlé de l'accélération avec Doc et avec Newhook. On s'attend tous à ce qu'il y ait une autre accélération. Puis là, compte tenu des performances, peut-être que ça va leur en donner encore plus, comme tu dis, David. L'accélération et les performances, Suzuki, David, on surveille ce qui se passe avec le plateau des 80 points. Il y a quoi, 29 en 25? D'un, je te pose la question, est-ce qu'il va atteindre le plateau des 80 points, à ton avis, cette saison? Puis, on en a discuté brièvement la semaine dernière. Est-ce que tu penses que c'est le prochain joueur du Canadien de Montréal à atteindre 100 points dans une saison? Alors oui, pour le 80, je pense qu'il est sur une lancée à l'heure actuelle. 8 parties, il devrait aller chercher à peu près un point par match, un peu plus. Il va le faire, à mon avis. Le 100 points, par ailleurs, Stéphane, je pense qu'il ne va pas y arriver. Je ne pense pas que Suzuki... Je pense que un point par match, Suzuki, 82 points dans une saison, c'est excellent. OK? Peut-être qu'il va avoir des saisons un peu plus, productives, peut-être pour arriver dans un tour de 90, 92, 89. Mais d'arriver à 100, la barrière du 100, c'est pas tous les joueurs qui t'ont donné. C'est des exceptionnels. Donc, je pense qu'il est un exceptionnel dans tous les sens du mot, mais peut-être pas à ce niveau-là. OK? Donc, moi, personnellement, peut-être un jour 90 dans sa meilleure saison, mais possiblement entre 78 et 83, 84 points une année après l'autre. Là, David, Gonzo a une info hier que le Canadien de Montréal a rencontré T.J. Ginla à 4 reprises, puis ils l'ont à haute estime. Quand on s'était parlé, puis on disait que le Canadien, s'il ne repêche pas top 5 dans le boulet, puis il repêche 7e, toi, tu avais dit Kaiserman, attendez que 3 défenseurs qui devaient être repêchés devraient être disponibles pour le Canadien de Montréal. Sachant cette info-là, penses-tu que les Canadiens vont préférer Ginla à Kaiserman? Non, premièrement, j'ai rien qu'à dire que c'est pas le genre de Stéphane de sortir des primeurs sans être sûr que c'est une réalité, que c'est quelque chose de concret. Donc, je prends très au sérieux ce que Stéphane a dit. Moi, j'ai pas eu cette information-là. Si Stéphane l'a eu, c'est clair que c'est fort probablement ce qui se passe du côté des Canadiens. Et les Canadiens de Montréal, d'année en année, on les voit constamment scruter les jeunes qu'ils repêchent. Exemple, l'année dernière, on sait qu'ils avaient vu Ryan Backer. À part de l'Arizona, il n'y avait pas une équipe plus que les Canadiens de Montréal qui avaient vu Ryan Backer. Donc, lorsque les Canadiens s'assoient sur un joueur, normalement, c'est parce qu'ils ont un intérêt sérieux. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est que Eiserman reste mon choix, OK? Et sans enlever rien à Ginla. Mais Eiserman, c'est un marqueur prolifique. Et malheureusement, OK, il y a des gens
Il a beaucoup été rabaissé. On a beaucoup parlé de lui dernièrement en négatif. La réalité, c'est que c'est un joueur exceptionnel, Georges. C'est un marqueur naturel, mais il y a en plus, il est fait fort, OK? Il est capable de marquer de plusieurs manières différentes. C'est un gars qui a été capable d'exceller à tous les niveaux. C'est une valeur suroffensive. Et Guendouzi, ça peut devenir un joueur beaucoup plus complet, peut-être, OK? Mais je pense qu'à l'heure actuelle, si j'avais à choisir entre les deux, c'est sûr que c'est un Thurman pour moi. Et les Canadiens ont désespérément besoin de punch offensif pur à l'attaque. Pur. Comme on voit un Caulfield qui marque des buts, OK? Et qu'on espère qu'il s'est mis beaucoup de points, il y avait des assists, il s'est amélioré de ce côté-là l'année prochaine. Je suis sûr qu'il va mieux performer au niveau des buts. Mais ils ont besoin d'offensive pure. Donc je pense que Yzerman, si on a la chance de mettre la main là-dessus, moi je saute dessus à que ce soit à 6, à 7, à 8. OK? Mais s'il est parti avant, j'aurais pas de problème avec Higginland, qui est un copier-coller de son père, de ce que j'ai pu comprendre. J'ai pas eu la chance, lui, de le scruter, OK? Mais j'ai cru comprendre que c'est clair que il y a beaucoup d'aptitudes qui ressemblent à son paternel dans plusieurs aspects du jeu. C'est un gars qui est capable de jouer offensivement, physiquement, bon dans les deux sens de la patinoire. C'est ce que j'ai eu un peu comme explication des gens à qui j'ai pu en parler brièvement. Mais j'ai pas eu la chance, malheureusement, lui, de le voir de mes yeux. Donc, on verra avec le temps. David, on revient chez le Canadien avec des choses un peu plus concrètes. On a beaucoup parlé encore une fois, puis on en parle à chaque semaine, on dirait, là, du jeu de Slav. Quand on regarde le jeu de Slavkovski depuis 40 matchs, est-ce que tu crois, on voit qu'il est en train de devenir un attaquant en puissance de plus en plus, est-ce que tu penses qu'il a le potentiel de devenir un des bons attaquants de puissance de la Ligue nationale de hockey? Stéphane, 100%. Superstar. Superstar Slav. Slav, c'est le visage des Canadiens pour les 10 prochaines années. Slav, là, c'est le package. Là. Et j'en avais parlé l'été dernier, on a parlé trois fois. J'ai acheté toutes ces quatre crues cet été. Ouais. Slav, là, ça va être un gars qui va donner, lui, 80 points, possiblement. Peut-être plus, même. Mais dominant dans tous les sens du mot. Fort, costaud, va dans les zones, peut marquer, il peut passer, il peut tout faire, ce gars-là. Et c'est un gars d'équipe. C'est un vrai attaquant de puissance à devenir. David. Donc, les Canadiens, je suis tellement content là, qu'il s'est développé comme prévu cette année, parce que on commençait à s'inquiéter, on voyait Logan Cooley qui performait, mais on se dit, on s'est pas trompé une autre fois, après Kotkaniemi, Galchenyuk, ainsi de suite. Vous n'allez pas me dire que first overall, on n'a pas pris le meilleur joueur de la QV. Mais effectivement, on a réussi à prendre le meilleur joueur, c'est cela. David, suite à la reconstruction, est-ce que tu vois les Canadiens remporter une coupe d'ici les 5 prochaines années? Oui, j'ai pas changé d'idée. OK? 27-28 dans 4 ans, à mon avis, les Canadiens remportent la Coupe Stanley. Surtout avec la progression qu'on est en train de voir à l'heure actuelle. Les morceaux sont en train de tomber en place. Là, si on est capable de rajouter un punch offensif majeur cet été, un top 6 en bas de 27 ans de haute qualité. Un gars de 25-26 ans, prouvé, 24 ans, OK? Une vedette, et qu'on rajoute un choix au repêchage, top 6 qui se rajoute à ça cette année. C'est game over. Puis pourquoi je vous dis c'est game over? Parce que les Canadiens vont avoir avec possiblement les Ducks ou une autre équipe, une des deux, trois meilleures défensives de la Ligue nationale pour les 10 prochaines années. Là, on se retrouve avec un groupe d'attaquants qui est bien intéressant. Ça prend deux autres gros joueurs de 6 pieds, 6 pieds 1, 6 pieds 2, 6 pieds 3. OK, pour renforcer l'attaque, des gars qui ont un succès offensif, qui sont capables. Et je pense que le seul point d'interrogation que j'avais il y a un an et demi de ça, c'est au niveau des gardiens de but. Mais ils m'ont complètement réglé ça. OK, on a vu Montembeau éclore. On a vu Primo devenir incroyable. On a vu Tobes qu'on voit à Laval qui est en train de prendre les bouchées doubles. On a un Fowler qui est en train de se dresser pour être éventuellement une star peut-être dans la Ligue nationale comme gardien partant, un des 10 meilleurs ou 15 meilleurs de la Ligue. Donc, ils ont réglé le problème au niveau des buts. Ils ont l'équipe dans 4 ans. C'est eux qui gagnent, à mon avis. Je ne change pas d'idée la Coupe Stanley. Ça, c'est la musique aux oreilles des partisans du Canadien de Montréal. David, on va terminer avec le sujet de Lane Hutson, qui est très populaire. Et là, tout le monde a bien hâte de le voir arriver à Montréal. C'est sûr qu'avec le Frozen Four, ça va prendre un peu plus de temps. Il y a encore beaucoup de partisans qui ont des doutes en raison de sa taille.
Pour toi, est-ce que tu dirais que c'est un enjeu ou une inquiétude de le voir avec sa taille faire le transfert vers la Ligue nationale de hockey? On va le savoir assez rapidement, hein, Stéphane. La réalité, c'est que Quinn Hughes a réussi, OK? Mais il a un meilleur patin que Lane Hutson. Ouais. Je pense que Lane Hutson, au niveau quotient intellectuel hockey, il n'y a rien d'envie avec Quinn Hughes. Je m'avance, là. Il n'y a rien d'envie. Maintenant, il n'y a pas son patin. Ça va dépendre comment il va répondre aux jeux physiques dans la Ligue nationale. Et ça va lui prendre une période d'adaptation, Lane Hutson, parce qu'il n'y a peut-être pas le patin nécessaire pour s'en tirer si facilement. Donc, je pense que il y a encore un léger doute, un léger doute. Si on me dirait, David, mise là-dessus, OK? Est-ce que tu es prêt à miser de l'argent que ce gars-là va être une étoile dans la Ligue nationale? Je dis oui et je mise là-dessus. Parce que j'ai confiance qu'il va être capable de le faire. Mais il y a toujours des doutes à cause de ce que je viens d'expliquer avant. Mais il faut être excité, les amis. Lane Hutson s'en vient. Ça va être vous allez l'aimer. Moi, j'ai eu la chance de le voir à quelques reprises. C'est un joueur spectaculaire. Il va être jumelé avec un Ryan Backer, avec un joueur. Ça va être extraordinaire. Donc, tant mieux. Et bon, on verra. Le temps nous le dira, mais je pense que les Canadiens ont pas trop à s'inquiéter avec lui, juste en espérant qu'il s'adapte aux jeux physiques. Ouais, on a tous hâte de le voir arriver à Montréal, c'est sûr, de le voir faire ses pas professionnellement. Merci, David. Merci beaucoup, David. Toujours excellent, merci, David. Merci, les amis. Bonne journée à vous. Bonne fin de semaine, David. Bonne fin de semaine. Au revoir. Et nous, là-dessus, on s'en va à la pause de retour. La firme Igor Reich et Amé ont parlé Maguire et ils ont fait le meilleur quiz de l'histoire sur les gagnants, Hart Ross. C'est un gros indice, ça, là. Ben oui, 514-790-0099 pour voir si vous connaissez vos meilleurs marqueurs de l'histoire de la LNH. À tout de suite. Sport. Flash. Le Canadien affronte le Lightning ce soir au Centre Bell. C'est Caden Primeau qui sera devant le filet. Par ailleurs, Lane Hutson ne fait pas partie des trois finalistes au trophée Hobby Baker dans la NCAA. Les finalistes sont Jackson Blake de l'Université du North Dakota, Macklin Celebrini de Boston University et Cotter Gauthier de Boston College. Il y a 9 affrontements dans la LNH aujourd'hui, dont un match important entre les Capitals et les Penguins pour la course aux séries. Les Islanders de New York, eux, seront les visiteurs à Columbus. La troupe de Patrick Roy est à 81 points. Dans la MLS, le CF Montréal a annoncé avoir fait l'acquisition d'un montant de 150 000 $ en argent d'allocation générale de l'Inter Miami. En retour, le CF cède une place de joueur étranger en 2024. Le club a aussi annoncé avoir prêté le défenseur Robert Torkelsen en deuxième division norvégienne. Et finalement, Kim Clavel affronte Farah El Boussairi ce soir au casino. Par contre, l'Espagnol a fait osciller le pèse-personne à 111,4 livres, alors que la limite du combat avait été fixée à 110 livres par les deux clans. Clavel, elle, a affiché un poids de 109,8 livres. À la demande générale, BPM Sport et billets.ca récidivent avec le seul concours radio où vous êtes le héros. En fin de retour, le voyage sportif de rêve au soleil. Le sport de ton choix dans la ville de ton choix. Hockey, baseball, MLS, basketball ou football. Los Angeles, Miami, Las Vegas. Inscrivez-vous en tout temps dans la section concours du bpmsport.ca. Et écoutez tous les jours en semaine à 8h et 17h. Si Max Lalonde et Martin Lemay t'appellent, tu dois répondre seulement et rien d'autre. Billets.ca. Grand gagnant le 22 avril. Billets.ca. BPM Sport et Billets.ca. Ensemble pour tous vos trips de sport. Billets.ca. Y'a rien comme réussir à faire un set de plus. XPN t'aide à repousser tes limites et atteindre tes objectifs avec sa gamme complète de suppléments alimentaires. Prêt à tout donner? Nous aussi. Des suppléments de qualité faits au Québec depuis 2003. XPNworld.com. Vous êtes né pour l'aventure? La Forester 2024 de Subaru est faite pour vous. Sa fonction X-Mode optimise la traction et vous offre une confiance accrue sur tous les terrains. La Forester 2024 est votre partenaire d'aventure. Subaru, c'est nous. Congélo, frigo, sump-pump, thermopompe, puits artésiens, Wi-Fi, c'est pratique avec de l'électricité. Ici Eric d'Erco.ca. On vous installe une génératrice automatique résidentielle pour que vous ne manquiez plus jamais d'électricité. ERCO.ca. BBM Sport.
la radio officielle du Rocket de Laval. Cette fin de semaine, le Rocket accueille deux équipes américaines à la place Bell. Vendredi 5 avril, ils affronteront le Crunch de Syracuse et le lendemain, ils joueront contre les Thunderbirds de Springfield. Pour suivre les matchs en direct à la radio, syntonisez BPM Sport vendredi, samedi, 18h30 pour les avant-matchs et les descriptions d'Anthony Marcotte. Le hockey du Rocket de Laval vous est présenté par Essor Assurance. BPM Sport, diffuseur officiel du Rocket de Laval. Amateurs de golf, vous cherchez une solution pratique et esthétique pour votre cour arrière? Faites confiance à InnoVert, les vrais spécialistes du gazon synthétique. Profitez de notre promotion du printemps. Recevez un green de golf d'une valeur de 1 000 $ gratuitement à l'achat d'un aménagement complet. Contactez-nous pour plus de détails au gazoninnovert.com. Financement disponible. Nouvelle de dernière heure. BMO vient d'être classé au premier rang des 5 grandes banques en matière de satisfaction à la clientèle pour leurs services bancaires aux particuliers, selon J.D. Power. Les clients BMO adorent la facilité des services bancaires mobiles et les précieux conseils qu'ils reçoivent. En grande primeur, BMO remercie ses clients pour cette reconnaissance extraordinaire. Au retour, un journaliste ouvrira un compte BMO en direct sur nos ondes. Pour en savoir plus sur les prix J.D. Power 2023, visitez canada.jdpower.com. Le régime québécois de santé et de sécurité du travail a été modernisé. Employeurs, travailleurs, travailleuses et partenaires des milieux de travail, certains changements sont maintenant en vigueur et vous concernent. Renseignez-vous au modernisationsst.com. Un message de la CNESST. Personne n'aime parler de ses problèmes financiers à voix haute. Mais chez Mallette, pas besoin de garder ça secret. Parce qu'il n'y a aucune gêne à avoir quand on parle de solutions à vos difficultés financières. Nos experts en insolvabilité sont là pour vous écouter et pour vous aider, peu importe votre situation. Consultez le llTT.ca pour prendre un rendez-vous sans frais avec l'un de nos spécialistes. Pour vos problèmes financiers, pensez à Mallette, syndic autorisé en insolvabilité. Vous êtes au mauvais endroit au mauvais moment et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillez dès le mardi 9 avril. Le quiz BGL. Une présentation de bet99.net. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Bienvenue au BGL Quiz. Big Gonzo et Big Larac Quiz. Voici maintenant vos animateurs, Stéphane Gonzalez et Georges Larac. Juste vous rappeler que le quiz BGL est commandité par Revêtement MPB, notre bon ami Steve Junot, qui est le meilleur pour faire vos rénovations de rénovation à la maison, de revêtement, de ce que vous voulez. C'est le meilleur de l'histoire. Contactez Revêtement MPB pour ça. Puis, pour le gagnant, on va faire tirer ce chandail de Georges Larac, du Canadien de Montréal, qu'on va faire tirer avec différents gagnants des derniers mois. Et là, on a tout un affrontement pour vous aujourd'hui. Oh, tout oui. Un affrontement pour vous aujourd'hui. Le premier, le Challenger, qui, la dernière fois qu'il avait participé au quiz, il avait déjà gagné là, il y a 2 ans. Bob Delachenais, comment ça va, Bob? Hey, George, ça va bien, toi? Sens-tu la pression? Toujours, under pressure. Ah, check bien contre qui t'affronte, Doug. Check bien contre qui t'affronte. Écoute bien l'intro. Salutations, mon Bob. Toujours un plaisir. D'ailleurs, je suis curieux, les gars, de voir si je vais entendre les mauvaises réponses et les bonnes réponses, parce que le thème, je ne l'ai pas beaucoup entendu. On va essayer. Ton adversaire, Bob, dans l'autre coin. Un vétéran de BPM Sport et du 91.9 Sport, un gars à la voix rauque. Puis je suis en train d'hésiter de dire que s'il gagne le quiz, je vais peut-être même y acheter un cartoon. Non, ben, c'est moi, les boys. Bruno la clope! Mais c'est moi. Bruno la clope! Ben, le fait la clope, j'ai fini la clope, là. Je fais moins.
Je voulais qu'ils me disent. Bruno, c'est... Mais je voulais qu'ils me disent, oublie ça, si je gagne, tu m'achètes pas de cartoon, je fume plus. Je pensais qu'il allait dire. Je fume encore, mais beaucoup moins. Mais Bruno, si tu gagnes, tu veux-tu un chandail ou tu veux un cartoon? Je veux un chandail. OK. Là, sur le droit chemin, Bruno. Le Bruno, au lieu de fumer un cartoon par jour, il fume deux paquets par jour. C'est une amélioration. Non, même pas ça, mais non. Un et demi? Même pas, je fume la moitié d'un, à moins que la moitié d'un par jour, ça. OK, lâche pas, Bruno. C'est sûr, Bruno. Tu vas être à zéro, lâche pas, Big. C'est ça. Un paquet de cartoon? Hein? Oh! Qu'est-ce qu'il dit? Ah ouais, en dessous de bus, il a dit deux paquets ou deux cartoons? Non. Hey, OK, les gars. T'as l'air beau dire que ça, hein? On taquine, Bruno. Pas trop. OK, juste pour dire, les gars, il n'y a pas de droit de réplique. Quelques secondes pour répondre, OK? Vous êtes prêts? Oui. On commence avec Bob, let's go! OK, Bob. Oui? J'ai remporté le trophée avec seulement 87 points en 2015. Je jouais et je joue encore avec les Stars de Dallas. Jamie Benn. Yeah! L'événement est incroyable! 1-0. C'est l'accident de la carrière. 1-0. 1-0, Bob. Bruno, on va à toi. Bruno. J'ai remporté le trophée en 2019 avec 128 points. Je suis présentement dans la course pour le remporter à nouveau cette saison. Ça, c'est Kucherov. Ouais! La clope égalise. On s'en va avec Bob. Bob, j'ai remporté le trophée pendant 3 années de suite, entre les années 76 et 78. Je suis une légende du Canadien de Montréal. Les Flower! Eh ouais! Deux à un! Deux à un! Les gars, vous êtes parfaits jusqu'à présent. Bruno, pour la réplique, et amenez ça à 2-2. Je l'ai remporté, le trophée bien sûr, à 2 reprises en 2004 et en 2013. J'étais alors avec le Lightning de Tampa Bay. J'ai aussi joué pour les Rangers de New York et les Flames de Calgary. Ça, c'est Martin Saint-Louis. Yeah! Tabarouette! Bruno! Je coach le Canadien en ce moment. Bruno, si tu continues même, tu vas me faire fumer des clopes. Ouais. 2-2. OK, Bob. Je suis le défenseur de l'histoire à avoir remporté le trophée. C'était en 70 et en 75. Ma carrière a été marquée par de nombreuses blessures. Bobby Orr. Yeah! Trop fort pour la ligue. Dans mon livre, le meilleur joueur d'histoire de la nationale. Pas vrai. Les gars connaissent leur classique, là. Ouais, Bob, il connaît son classique. Let's go. Les gars connaissent leur classique. Bruno, pour créer l'égalité encore, pour une troisième fois, là. J'ai remporté le trophée en 2009, année où mon équipe a soulevé la Coupe Stanley. Je l'ai également gagné en 2012, 2 ans avant que mon capitaine le remporte lui aussi. Malkin, Evgeny Malkin. Oui! 3-3. Très fort, les gars. On retourne avec toi, Bob. J'ai remporté le trophée en 2016 avec 106 points. En plus du Art Ross, j'ai gagné plusieurs trophées dans ma carrière, dont le Conn Smythe en 2013. Les meilleurs mains de l'histoire de la nationale, Patrick Kane. Yeah! Les gars, je pense que c'est la première fois, je sais pas, on peut y repenser, mais je pense que c'est la première fois que les deux participants sont 7-7. Oui, mais Gonzo, je vais dire de quoi après. Continue! Bruno, j'ai remporté le trophée en 2006. Cette saison-là, j'ai joué pour 2 équipes, les Bruins et les Sharks. J'ai été le premier choix au total en 97. Les Bruins et Sharks, ça, c'est Joe Thornton. Ouais! 4-4. OK, on fait un show, Bob. J'ai remporté une seule reprise le Art Ross, mais je poursasse présentement un record que plusieurs pensaient impossible à dépasser. On vit. Yeah! Let's go! Les indices sont trop faciles, Georges! Ouais, je sais, mais il y a quelque chose d'autre qui est encore plus facile, je vous le dirai après. Oh non, mais on a fait le même lien. Ouais, c'est exactement. Exactement, Hugo et Yanné vont comprendre après. C'est correct. Ben, regarde bien les fois les curves qu'on peut lancer. Exact, Bruno. Bruno,
j'ai remporté le trophée Art Ross avec les Flames de Calgary, là où j'ai passé la majorité de ma carrière. Mon fils est admissible au prochain repêchage. Ça, c'est Jérôme mais il est là. L'événement est incroyable! 5-5! Bob, en plus de Art Ross, j'ai remporté un Hart en 2002-2003. J'ai 885 points en 708 matchs avec l'Avalanche, Nordiques, Predators et Flyers. Peter Forsberg. Yeah! C'est le fun. 6-5. 6-5. Bruno, on y va avec toi. Lors de ma saison où j'ai remporté le trophée Art Ross, j'ai obtenu 112 points en 82 matchs avec mon frère. J'ai joué pour la même équipe toute ma carrière. C'est 112 points. Mais c'est un des jumeaux, c'est une minute là. Qu'est-ce que t'as dit? André Cézanne? Yeah! c'était presque sur le buzzer, ça. Hein? On retourne avec toi, Bob. Lors de ma saison où j'ai remporté le trophée Art Ross, soit en 2010-2011, j'ai obtenu 104 points en 82 matchs. J'ai aidé mon équipe à se rendre en finale de la Coupe. C'est le frère Lolo, Daniel? Ouais. Yeah! Ils l'ont gagné back-to-back. Ouais. Et là, c'est 7 à 6. 7 à 6. Bruno, on retourne à toi. J'ai remporté 5 trophées Art Ross dans ma carrière avec les Blackhawks, les Bruins et les Rangers de New York. Phil Esposito? Yeah! Wow! Ben oui! God. OK. C'est bon. Tout un duel, les gars. Bon. Je suis une légende des Blackhawks de Chicago. J'ai remporté 3 Art Ross. J'ai joué pour 2 autres équipes après Chicago, soit les Jets et les Whalers. Jets et les Whalers. Oh boy. C'est là pour Ron Francis? Non. Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais-tu celle-là, juste pour le fun, Bruno? Ben, les Jets. Bobby Hall a joué pour les Jets, il a joué pour Chicago. Bobby Hall, je dirais. Ouais, c'est Bobby Hall. Il n'y a pas de droit de réplique, mais c'est Bobby Hall. Klopp me surprend vraiment. Il n'y a pas de droit de réplique. Oh, Bruno, la porte s'ouvre. La porte s'ouvre, Bruno. Tu prends les devants si tu as cette réponse. Bruno, c'est à toi. Autre légende des Hawks, j'ai remporté 4 trophées Art Ross en plus de disputer toute ma carrière avec les Blackhawks de Chicago. Ah, mais c'est le seul qui est bon à voir Bobby Hall là-bas, c'est... Dans le temps, c'est Stan Mikita. L'événement est incroyable! Comment ça, il sait ça? 8 à 7! Bruno prend les Bob, tu peux pas perdre contre Klopp, là. Let's go, Bob! Bob, je suis celui qui a popularisé le lancer frappé. Je portais le 5 avec le tricolore où là, j'ai remporté mes 2 trophées Hart. Ross. Bernard, boum, boum, Geoffrion. Yeah! Ouais. Égalité, mais Bruno... Égalité. Vous êtes bons, ouais. Les gars, vous êtes bons, mais il faut dire que c'est le fun aussi quand le quiz est un peu plus facile aussi. Hein? Non, mais l'affaire, Big, l'affaire, Gonzo, c'est ouais. Les années, c'est parce que quand tu vas en ligne, t'écris Art Ross, toutes les années sont là. C'est quand tu poses des questions, il faut pas mettre des années parce que c'est trop facile avec un tableau. Les dernières questions, je les aime parce que les années sont pas là. Exactement, ouais. Exactement. OK, là, Bruno, pour conserver l'avance, OK? Durant ma longue carrière dans la LNH, j'ai remporté 6 fois le trophée Art Ross. J'ai disputé plus de 20 saisons dans la Ligue nationale de hockey avant de prendre ma retraite et d'effectuer un retour au jeu à la fin des années 70. Ça, c'est Gigo Léard. Gordy Howe. Bruno, je suis vraiment. On taquine souvent, mais je suis vraiment impressionné. Solide, les gars. Je pensais pas. Bob, t'as besoin de celle-là, Ben. Oui, c'est ça. Bob, t'as besoin de celle-là pour égaliser. T'as besoin de celle-là. Il faut. J'ai remporté le trophée Art Ross à une seule reprise. J'ai joué toute ma carrière avec le Canadien de Montréal. Mon numéro est dans les hauteurs du Centre Bell. Yvan Cournoyer. Tu niaises? Jean Béliveau. Ah, t'as pas besoin, c'est la même époque. Ouais. Et Bruno, pour envoyer ça dans le filet désert, j'ai remporté le trophée Art Ross avec 137 points. Natif de Drummondville, il y a un aréna à mon nom là-bas. Ça, c'est Marcel Dionne. Ouais!
Bruno, je suis vraiment surpris. Wow. Je suis vraiment, vraiment surpris. Je pensais que tu allais te faire varloper par Bob de la Chenet. Non, mais Bob, il est bon, Moussi, aussi, là. Ben oui, Bob, il est bon, mais t'as fait une note parfaite. T'as fait une note parfaite. Il y en a deux qu'il y avait, que je savais. Les deux que j'ai manqué, c'est parce que je ne savais pas. J'ai gâté. Non, non, mais... C'est, les gars, c'est la première fois qu'on a un quiz de 20 questions et qu'on a 18 bonnes réponses sur 20. Les deux, vous avez été vraiment solides. Et je pense que c'est la première fois qu'il y a une note parfaite également dans un quiz de la part d'un participant. C'est bon, vrai, c'est beau, Bruno. Toi, good job. Merci. Fait que Bruno, reste... Pour un fan des Dolphins, c'est bon. Ouais, c'est des Dolphins. Mais il est bon encore cette année. J'ai peur avec les demi-toins. C'est fini ton équipe, c'est fini. Ben non, c'est pas fini, ben non. Non, c'est fini, c'est fini. Allez, gars, venez au rassemblement du 16, là, on pourra jaser de football puis de hockey autour d'une bonne petite bière, OK? Bruno, il y a des bonnes chances que... Bruno, il y a des bonnes chances que dans ta saison de foot, tu remontes ta moyenne de club. Non, non, ils vont être bons encore cette année, là. Ils vont être bons pour la première fois, la seconde fois. Mais là ils ont plus Ramsey, puis Howard, c'est ça? J'ai la misère de comprendre que... Non, mais là, laisse-le aller, il est sur une bonne pente, là. Wilkins aussi est parti, Bruno. Ouais. Je sais. On a perdu du monde, mais qu'est-ce que tu veux? On va voir qu'est-ce qu'il y a. Ils devraient être encore compétitifs cette année, là. Parce que j'espère, c'est long, ça va être très amusé. Hein? C'est où le 16? Le 16? C'est au Relais Boréal, les gars, là. Let's go. On va faire un beau petit rassemblement. C'est où ça, Gonzo? C'est quoi l'adresse? C'est quoi l'adresse, Gonzo? C'est sur Jean Talon, hein? C'est à Montréal, là. C'est près du marché Jean Talon, ouais. C'est pas le marché Jean Talon. Puis Bruno. Pas de pause club quand tu vas venir. Pas de pause club, parce que sinon tu vas sentir la cheminée. OK, moi aussi. Merci, Big. Merci, les gars. Bravo, les gars. OK, merci. Gozo, t'as catché tout de suite, tu sais que je faisais des faces. Ben oui, parce je savais qu'avec les années. Ouais, il faut pas donner, quand on fait Hot Ross, parce que t'as juste écrit le tableau en ligne, là, puis tout affiche, sur tout là. Non, mais tu fais Art Ross Winners, puis t'es là année après année. Fait que là, ils ont juste à suivre l'année. Je suis content que t'es capable de lire mes yeux, t'as caché tout de suite. On a arrêté de donner les années. Ben parce oui. que là, c'était trop facile. Là. C'était comme, non, on arrête. Mais en même temps, il faut s'incliner. Là. Les deux connaissent le non, les deux, les deux connaissent ça. Ben oui. Bruno vient de nous mettre ça dans les dents. Ça, vers la fin, quand on a arrêté de mettre les années, il continue à les avoir. Là, j'étais impressionné. Exact. Au début, j'étais comme, bon, puis, OK. Puis sans hésitation, là, ou presque. Oui, sans hésitation. Ouais, mais Ben, si t'as les tableaux avec les années, Ben, tu ne faut pas hésiter non plus. Non, mais on ne dit pas qu'ils l'ont fait. On dit juste que c'est trop facile de donner l'année si en plus on donne le trophée et l'année. Oui. C'est pour ça que même donner le j'aurais même pas donné le thème des gagnants Hart Ross. Parce que quand on écrit ça, Ben, le tableau de toutes les années affiche. Ben, c'est sûr. Puis, tu sais, c'est juste pour vraiment s'assurer que vraiment tout le monde le fait legit, tu sais, sans checker en ligne. C'est juste ça. C'est bien à la pause, on va aller fumer une smoke, là. Hein? Là, on vous rappelle les questions. Là. Puis, écoutez bien la question. Oh. Écoutez bien. Suite au match des Devils puis des Rangers, qu'est-ce que vous pensez du code dans le monde du sport? Gonzo a nommé tantôt toutes les différentes façons dans le baseball que le code doit être respecté. Vous le savez, dans le hockey, il y en a dans tous les sports. Fait que la question, c'est pas juste le hockey. Dans le monde du sport en général, vous, comment vous voyez ça, le code? Fait que peut-être qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont joué des sports différents, qu'ils comprennent. Bref, vos explications autour de la pause, 514-790-0919, puis en même temps, vos prédictions pour ce match si important entre les Pingouins et les Caps. Gomzo se prendra les votes là-dessus. Parce que là, on a statué la gageure. J'ai pris les Pingouins. Gomzo a pris les Caps. Puis Gomzo, la personne qui gagne et la personne qui perd, c'est quoi la conséquence? Ben, écoute bien celle-là. On vous le dit au retour de la pause. Oh yeah! Force tuning, restez là. Vous nous remercierez à la fin du show. Votre après-midi à la job passe beaucoup plus vite grâce à Georges et Gonzo. Et on n'arrête jamais. Dès 15h, c'est le retour des sportifs avec Martin Lemay, Mathias Brunet, Bob Hartley et les experts du Choc des idées. Salut, c'est Max. La semaine prochaine, ce sera spécial dans le club du matin. Ouais, vous savez, on s'en va à New York, un autobus rempli, 56 auditeurs. Jeudi soir, le match au UBS Arena. Les Islanders qui reçoivent le Canadien. Mais pour se rendre là, on veut célébrer notre premier voyage dans le club du matin avec vous autres. Puis les Islanders nous ont fait des cadeaux à compter de lundi dans le club du matin, à chaque matin à gagner un gilet autographié de toute l'édition 2023-2024 des Islanders de New York du coach Patrick Roy. BPM Sport. BPM Sport. La radio des sports au Québec.
restaurants, dans les bars, dans ci, dans ça, le code vestimentaire. C'est encore pire que le code walkie. Je suis pas mal d'accord avec toi, Gonzo, que le code vestimentaire, c'est pas mal quelque chose qui gosse à peu près tout le monde. Oui. Hein? Je suis pas mal dans votre. Puis même dans le hockey, Gonzo, c'est gossant. Là, devoir mettre un sou de cravate, là, je trouve ça ridicule. C'est moins pire, ça a été plus flexible. Tu vois, depuis une couple d'années, il y a des équipes qui permettent aux joueurs d'arriver, de faire preuve d'un peu plus de créativité aussi. Ouais, mais moi, j'ai toujours détesté mettre sou de cravate tout le temps. On s'en va jouer au hockey, là. Puis là, après la game, tu le mets, mais ton corps continue à suer, là, puis ta chemise. Puis là, tu vas jouer en Californie, puis tu sues, là, en dessous des bras, puis tout. Puis t'amènes pas beaucoup de sous de sa route, t'en amènes un ou deux pour un voyage de 2 semaines. Puis là, ça sent le swing après. Oublie ça. Big. Pour vrai, non, mais tu sais, suer dans la vie quand tu fais du sport, je vis avec. Là. Moi, il y a une piscine autour de moi quand je fais du sport. Mais suer dans un suit, pour vrai, c'est pas cool. Suer dans du linge de sport, c'est correct. Suer dans un suit, non merci. Exact, d'accord avec toi. Ça fait du bien, on l'a dit. Je sens qu'il y a beaucoup de gens également qui partagent notre avis, les gars. Fait que... On s'en va au téléphone, les gars? Ben oui, là, on va voir ce que les gens pensent. Puis oubliez pas, là, on parle pas du hockey. Dans le monde du sport, le code au complet, c'est quoi votre opinion par rapport au hockey? À quoi on commence, Ben? On ouvre avec Billy. Salut, Billy. Salut, Billy. Salut, ça va? Très bien, toi. Yes, moi, j'ai jamais eu de problème à avoir le code. Je n'ai pas de problème de truc avec des bateaux et tout ça. C'est juste, je me suis toujours demandé, quand j'étais plus jeune, si, mettons, là, il y aurait eu plus de suspensions, mettons, les suspensions seraient plus sévères, est-ce qu'il y aurait encore besoin d'avoir le code en tant que tel? Parce que c'est ça, pas niaiseux, mais le gars, il est déjà pénalisé, il perd de l'argent, il perd des matchs. Il faut encore qu'il réponde de ses actes. Mais Billy, je te réponds. Billy, pour répondre à ta question, quand on parle du code, c'est pas juste avoir des gestes qui sont suspendus. C'est des gestes cochons qui sont sur la limite tolérée, mais qui méritent une réponse quand même. Tu comprends? Toi, tu parles. Tu sais, comme plusieurs personnes vont dire, ouais, si on sévissait plus, les suspensions étaient. Le code, c'est pas juste pour des cas de suspension, là. Gonzo a donné des exemples au baseball. Non, que mais attends, ouais, tous mais les exemples que tu as nommés, Gonzo, c'est pas suspendable. Non, mais Billy amène un bon point. Que tu le mettes dans n'importe quel sport, si par exemple, suite à une bagarre au hockey, il y avait des suspensions, est-ce que le code serait appliqué autant? Si au baseball, dès que quelqu'un lance à la tête une suspension qui est faite, est-ce qu'il y aurait autant de codes appliqués? Exact, c'est ça mon point. Mais Gonzo, attends une minute. Pour Billy, te répondre à ta question, Gonzo, oui. Je t'en ai parlé plus tôt. Il y a un code et l'armée, vous pouvez nous dire c'est quoi le nom? Il y a un cas des lanceurs des Yankees qui recevait un bonus d'un million pour lancer. Il manquait 2 manches pour avoir un bonus d'un million. Puis pour faire respecter le code, il avait biné un frappeur, ça l'a sorti de la game, il avait perdu son bonus, mais l'équipe, et puis là, les joueurs l'ont félicité parce que il a fait fi de son bonus pour biner le gars pour le code. Puis l'équipe, vu qu'il l'a fait pour ça, ils ont donné son bonus d'un million pareil. C'est qui le gars que je parle? Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire-là? Le joueur des Yankees, le lanceur. C'était pas Cici Sébastien qui avait fait ça? Oui, c'est ça. C'est Cici Sébastien. Exactement, Gonzo. On était en onde ensemble. Je pense que c'était pas un million. C'était comme un demi-million, je pense. Et là, il s'était fait sortir en dehors de la game. Il faudrait que j'aille voir. Oui, il s'était fait sortir, Gonzo, mais il fallait qu'il finisse la game pour avoir son bonus. Puis, vu qu'il a biné le gars, les gars savaient qu'il perdait son bonus, l'ont félicité. Ça avait renfermé l'équipe quand on parle du code. Puis, l'équipe, il avait donné son million, son demi-million pareil. Parce qu'il avait fait pour le code. Ouais. Faudrait que j'aille voir, mais je me rappelle de ça. C'était Cici Sébastien. Ouais, mais là, tout le monde l'écrit, là. Fait que... Bref, c'était juste ça mon point. J'étais comme, si, mettons, il y aurait des suspensions plus sévères, est-ce que le code serait encore. Ben, la réponse, oui, il serait encore là, Big. All right, t'en fais, Big. Hey, attends. OK, salut, Big. Gonzo, right. Je vais donner un autre exemple de code. Gonzo, je vais donner un autre exemple de code. Un autre exemple de code. Vous allez l'aimer, celle-là. Je l'aime avec Michel Therrien. Celle-là, j'ai déjà compté. Quand on jouait contre les Flyers, puis les gars n'arrêtaient pas de rentrer sur Marc-André Fleury, c'est quoi le code, Gonzo? C'est qu'on réponde. Ouais. Michel Therrien, je le regarde, je dis, est-ce que j'ai feu vert de rentrer dans Martin Biron? Il part à rire, il dit oui. Feu vert veut dire, quand tu manes au coach, c'est que si tu es suspendu, l'équipe va couvrir ta suspension. Ben oui. Et c'est là que j'ai fait la célèbre glissade au premier but de Jackie Robinson dans les jambes de Martin Biron. J'ai fait comme si j'avais fait semblant de perdre l'équilibre en tournant. Je suis rentré dans ses jambes. Puis j'ai une amende de la Ligue 5000 que les Pingouins ont honorée. C'est le code.
Ça, c'est un autre exemple de code. C'est vrai. Il n'y a pas de suspension, il n'y a rien là-dedans. J'ai eu 5000. L'équipe a couvert, mais ça, c'est le code. Le code, il y a plein de choses. Mais pour vrai, c'est pour... En fait, Billy amène un bon point parce que le code est là pour rester. On l'a dit si on est d'accord. Est-ce qu'il peut bouger? Est-ce qu'il peut avancer? Est-ce qu'il peut être modifié avec les années? Ben, Gonzo, peut-être non. Ben, qu'il y a des trucs qui sont... Ben oui, Georges, je veux dire... Le hockey, c'est toujours la même chose, puis le baseball aussi, là. Je comprends, mais Billy a amené un bon point. Si on suspendait plus sévèrement et plus rapidement, peut-être que... Je dis pas que le code, serait peut-être appliqué différemment, Gonzo, et peut-être un peu moins souvent. C'est parce que, Gonzo, tu es en train de parler seulement des gestes qui requièrent une suspension. Le code, Gonzo, c'est pas juste pour des cas de suspension. Non, le non, code, il y a bien plus de cas de non-suspension que de suspension, Big. C'est des cas extrêmes, les cas de suspension qui parlent là. Mais Gonzo, t'en as parlé au baseball. Tu sais, quand tu fais un bat flip, il n'y a pas de suspension là-dedans, là. T'sais, quand tu sais, quand tu slides, il n'y a pas de suspension là-dessus. Quand tu cours tranquillement pour narguer l'adversaire, tu vas le biner après, il n'y a pas de suspension là-dedans, là. Ça, c'est toutes des affaires de code que tu as nommées. Non, mais ce serait un désavantage de suspendre juste la réplique et de ne pas suspendre le geste. Non, mais c'est ça, mais tu ne peux pas suspendre un gars parce qu'il court lentement pour narguer. Tu peux pas. Fait que c'est pour ça que tous les exemples que tu as nommés au baseball, Gonzo, c'est des cas de non-suspension. Des cas de code, il faut que tu répondes en binant le gars. Tu sais, il y en a qui courent juste pas vite les buts, là. Ils le font pas pour narguer. Non, mais il y en a que tu le sais qui font exprès, là. Ben oui, je sais. Hey, à balle molle, Gonzo, on le fait-tu cet été? Si tu peux la sortir, ça va me faire plaisir de te chronométrer pour ton tour des sentiers. Sais-tu quoi? Je fais une moonwalk des buts. Du reculon, je fais, OK? Je pense que les gens vont rire. Ouais, c'est vrai que n'importe quelle niaiserie qu'on va faire, les gens vont rire. Ben non, mais là, attends, là. Moi, je vais célébrer. On va tout attendre au marbre, là. Si ouais, mais ça arrivera pas. Ça arrivera pas. Je peux pas. J'utilise pas de hanche, rien. Juste avec des bras, je peux pas faire ça. Non, on va pratiquer. On va pratiquer, Georges. Tu dis ça à chaque année. Tu m'invites jamais à aucune pratique. T'es le gars le plus dur à rejoindre les fins de semaine. On a une équipe. Tu réponds jamais au téléphone. On a une équipe. Hey, de Billy, on parle à qui, là, nous autres? On va retourner au téléphone. Pedro! Ben oui. Hey, les amis, comment ça va? Hey, t'es où, là? T'es où, là, Pedro? Je suis ici à la Chine, à Montréal, depuis 3 jours que je travaille, c'est la merde. Hey, j'étais arrivé avec des 42 degrés, j'ai passé avec une tempête de neige, imagine-toi. Est-ce que, Pedro, les gens veulent savoir, est-ce que là, t'es habillé en ce moment? Bien habillé, mort de froid. Pauvre Pedro, qui a hâte de retourner au Mexique. Tout va bien, Pedro. T'es de retour, je t'ai envoyé des photos. Tu as vu, Georges? Oui, je sais, mais t'es pas obligé de m'envoyer des photos. Même le premier samedi qu'on était là, il y avait un spectacle de Divo en direct gratis. Pedro, si tu m'envoyais des photos, c'est correct, mais t'es pas obligé de m'envoyer des photos de ta femme. Je t'ai envoyé. Oui, je sais, mais t'es pas obligé de m'envoyer des photos de ta femme, par contre. Tu es mon ami, pas de problème. Quand tu donnes une photo d'une amie de ta femme, de ta nouvelle blonde, de ta femme, oui, c'est une gentillesse. Est-ce qu'elle le sait que tu m'envoies ces photos-là de elle? Il n'est pas inquiète, il est en amour après moi, il n'est pas inquiète de moi, mon ami. Ouais. Okay. Tu vois pas des photos de la femme à Gonzo? Oui. Pas dans ce genre-là, disons. On vient d'avoir un peu plus de détails sur les photos. Mais non, il était pas tout nu. Non, mais. On était légèrement vêtu, tu vas me dire? Oui. Bon, on change de conversation, les amis. OK. Ça serait à ton On t'écoute, Pedro, on t'écoute. Je vais vous donner une bonne code. Moi, j'étais dans un championnat. Tu sais que dans le volleyball, il n'y a pas grand-chose de contact avec l'équipe rivale, mais. Quand est-ce que c'est des matchs importants, on se donne des codes pour cracher dans les jambes, par exemple, quand est-ce que ton rival est en face de toi, et on se donne des codes, tu sais, cracher dans les jambes, faire des petites grimaces, tout ça. Attends, qu'est-ce que tu as dit? Au volleyball, ils se crachent dans la face? Oui, il y a des petits crashs, des crashs dans les jambes, tu peux les cracher dans les jambes. Cracher dans les jambes au volleyball? Oui, tu donnes des petits crashs quand est-ce que le gars est en face de toi. Le gars, dans le fond du terrain, peut cracher, ça traverse le filet, puis ça pogne le joueur adverse? Non. Ben oui, ça traverse par en bas, ça traverse par en haut, ça arrive des fois. J'ai jamais entendu ça, Pedro, volleyball. Ben, moi, oui. OK. Toi, tu l'as pas joué beaucoup.
Non, j'ai jamais joué, mais je savais pas que les gens là, se crachent dessus. Mais là, tu parles de boire cracher, là, tu veux dire, comme de la salive qui sort de la bouche? Un petit crash, oui, oui, tu les sens, un petit crash dans les jambes en face, dans les jambes, pas dans le visage, parce que dans le visage, ça paraît trop, mais par en bas, tu craches par en bas et tu craches puis les jambes. OK, puis oh. ça, c'est un... Juste pour les faire perdre, pour les faire perdre la conscience un peu à l'autre. À part okay. de ça, j'étais dans un championnat international, j'avais 18 ans, et on était 2-2, tu sais, avant c'était à 5-7, 3-2, à 15, et on était 12-12 la dernière set, et on était 12-12, et moi, j'ai d'entrée à la finale pour faire le dernier service, j'avais un service flottant très puissant, alors... Ils m'ont commencé de la strade, ils m'ont commencé à crier la tapette, parce que dans le temps, on utilisait les pantalons, les shorts du porto. Tu te rappelles les petits shorts du porto attachés au corps, là? OK, OK. Les femmes, il y avait des tangas dans le temps, des petites maillots. Oui. Et les hommes, on avait des pantalons trop attachés. Alors, ils m'ont commencé à crier la tapette, c'est parce que j'allais au service, j'étais fauché. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai fait mes trois services, on a gagné le tournoi. Qu'est-ce qu'il a fait Pedro tout de suite? Il est allé devant la strade de les Chiliens, il s'est descendu le pantalon, j'ai poigné mes intimes, j'ai montré mes intimes à tout le public. Mais Pedro, tu peux pas faire ça. Oui, j'étais suspendu 6 mois. Oh, mon six Dieu. Mois? T'avais quel âge quand t'as fait ça? J'avais 18. Tabarnane! J'étais wow. fauché. Il m'a crié tout le temps. Non, mais il a tout le temps eu un petit peu de. Tu sais, il a tout le temps aimé un peu le. Pedro qui a montré ses intimes à 18 ans parce qu'il était fâché. Ben oui, j'étais fâché, oui, oui. Ils ont-tu vu quelque chose ou ils n'ont rien vu? Mais ils ont vu les cocottes. Les pinottes. Salut, Pedro. Salut, Pedro. Bonne journée, les amis. Hey, bon barbecue ce soir. Hey, pour vrai, par message du texte, est-ce qu'il y a des gens qui jouent au volleyball? Est-ce que c'est vrai que pour déconcentrer l'adversaire, vous vous crachez dessus? Moi, j'ai jamais entendu celle-là. Non, mais en même temps, j'ai jamais joué professionnellement au volley-ball. Moi, mais Gonzo, j'ai jamais entendu... J'ai vu une game de volley-ball à télé, j'ai jamais entendu quelque chose de craché. Mais c'est pour ça que je voulais m'assurer que c'était bel et bien de la salive qui sortait de la bouche. Oh, oui, de la salive. Craché dans les jambes, là, tu sais. C'est ça qu'il a dit, de la salive. De la salive. Ben, écoute... les gens disent au lit, ça crache des fois, mais pas au volley-ball. Pedro est tout le temps surprenant, hein? Ouais, et toujours aussi imprévisible. Ouais, ben, c'est quoi le rapport du code là-dedans en passant? Le code, non, je sais pas. C'était des manières de déconcentrer l'adversaire de sa part, de cracher sur l'adversaire, de cracher sur les jambes. Puis de montrer ses intimes quand t'es frustré, ses parties intimes. C'est toute une sortie, ça, en tout cas. C'est toute une sortie. Ouais, et moi, en parlant de sortie, je vais y aller moi aussi. Ben oui, Gazo. On se voit pour les trois derniers appels, malheureusement. Gazo, on se voit demain pour ton rap. Demain, c'est Rap Battle. Méditation à 2 heures. Ce soir, les gars. Ne manquez pas ça. À demain, Gonzo. J'enregistre ça ce soir sans faute. Super. Là-dessus, Ben, on s'en va à la pause de retour. On termine la rafale avec vous sur le code. À tout de suite. À la demande générale, BPM Sport et billets.ca récidive avec le seul concours radio où vous êtes le héros. En fin de retour, le voyage sportif de rêve au soleil. Le sport de ton choix dans la ville de ton choix. Hockey, baseball, MLS, basketball ou football. Los Angeles, Miami, Las Vegas. Inscrivez-vous en tout temps dans la section concours du bpmsport.ca. Et écoutez tous les jours en semaine à 8h et 17h. Si Max Lalonde et Martin Lemay t'appellent, tu dois répondre seulement et rien d'autre. Billets.ca. 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 Grand gagnant le 22 avril. Billets.ca. 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 BPM Sport et Billets.ca. Ensemble pour tous vos trips de sport. Billets.ca. Billets.ca. Billets.ca.